Es la hora de trabajo. Yo hoy tuve un trabajo. Bolwani, la famille, je suis de retour au boulot. Merci monsieur Youssef est là. Merci. Je vais épingler, essayer d'épingler, hein, parce que c'est pas facile avec mon téléphone là. Je vais essayer d'épingler le commentaire. Max de partage, la famille, vous connaissez le concept sur la page. C'est sans partage et on débute notre live. Ah, oh, vraiment, c'est compliqué cette affaire-là. C'est quoi ça? Épingler un commentaire ici, c'est pas facile, hein? Ok, super, j'ai réussi. Daniel Lowe est là! Le Yann MKG est connecté. Les gars, Max se partage, les gars, Max se partage. C'est sans partage sur le live et on débute nos directs. Mais demain, je serai en live sur la page du BDP. La famille doit avoir 1000 partages sur ce direct. Sur le direct de demain, il faut qu'il y ait un maximum de partage. Je suis en train d'effectuer quelques partages. Bon, pendant ce temps, partagez de votre côté aussi, la famille.
Nous ne sommes qu'à 31 partages. Où sont mes éléments, les gars? Maximum de partages. Mettez des cœurs et des pouces sur le direct, s'il vous plaît. Merci infiniment à tous ceux qui prennent de leur temps pour partager les lives. Merci, merci infiniment à la famille. Merci à toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour partager les lives. Chacun de vos partages est une balle tirée sur les ennemis de notre pays. On va en parler tout à l'heure. Nous allons en parler. Vous allez prendre conscience de la puissance des partages que vous effectuez sur chacun de mes lives. Si je suis aujourd'hui le cyberactiviste le plus craint par les terroristes qui ont pris notre pays en otage, c'est grâce à vos partages. Grâce au partage que vous effectuez. Et ce n'est pas de la prétention, tout le monde sait que c'est la vérité. Mais c'est grâce à vos partages. Merci de partager la famille. Notre pays, c'est ensemble que nous allons le libérer. S'il vous plaît, pardon. Poupée, je te vois sur le direct là, pardon. Les cœurs et les pouces, c'est important. Les partages, c'est bien. C'est très bien, c'est très important. Mais les cœurs et les pouces, s'il vous plaît, pardon. Ayez pitié de moi, de mes directs. Mettez les cœurs et les pouces sur le direct. Si vous êtes sur le live et que vous ne mettez pas les cœurs et les pouces, lorsque les sorciers signalent, les algorithmes de Facebook estiment que les personnes qui sont sur le live n'apprécient pas le direct. Donc, s'il vous plaît, pardon, Ngungo, souffrez de mettre des cœurs et des pouces de temps à autre. À combien de partages sommes-nous déjà? Les directs ici commencent maintenant à 100 partages. Vraiment, nous sommes à 38 partages, la famille, vraiment. Merci de partager le direct, comme vous partagez les lives de créoles, des gens qui font le maboulisme sur les réseaux sociaux. Merci de partager. Avant, je faisais l'erreur de faire des lives et de me dire que c'est pas grave, même s'il y a deux personnes, même s'il n'y a pas de partage. Maintenant, je ne fais plus ça. Ndjibous, je refuse. On commence nos lives à 100 partages dorénavant. Nous n'allons pas laisser les cancres prendre le dessus sur les réseaux sociaux. S'il n'y a pas 100 partages, on coupe le live et puis on passe à autre chose.
Merci de partager dans toutes nos pages gabonaises, sur les pages africaines. Merci de partager la famille. Non, il y a un problème. Je refuse de croire que nous ne sommes que 48 partages depuis là. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, il y a un bug. Merci Johan de partager dans tout le groupe gabonais. Nous ne sommes qu'à 38 partages depuis, ça ne bouge pas. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Youssef est là, Daniel. Ceux qui sont bloqués sur Facebook, vous pouvez partager le lien du direct sur WhatsApp en story. Vous pouvez partager à vos contacts sur Messenger. Johan, à combien de partages sommes-nous déjà? S'il n'y a pas 100 partages, on coupe le direct. Il faut un max de partages. Surtout pour annoncer, pour que les gens soient au courant du direct de demain sur la page de M. Mengara, du BDP. Nous allons dire quelques vérités qui fâchent, mais qui sont très importantes. Nous sommes à 77 partages, plus que 23 partages et on lance notre direct. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Mademoiselle Renen, tu ne fous rien là-bas, mets des cœurs et des pouces. Mets des cœurs et des pouces derrière ton téléphone. Daniel, c'est pas grave, même s'il y a des groupes qui refusent les lives, c'est pas grave. On se concentre sur les groupes qui acceptent. Il y aura toujours des groupes qui vont refuser. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Beaucoup de nos groupes Facebook aujourd'hui sont dirigés par le pouvoir. Les groupes Facebook que vous voyez, les infos Kingele et autres, tout ça. Ce sont des groupes financés par la présidence. Donc il y a des têtes là-bas qui ne veulent pas voir. Vous savez qu'ils ne veulent pas voir ma tête. Voilà pourquoi la famille, il faut partager, il faut partager. Ils veulent museler la vérité. Nous avons des groupes panafricains. Allez, on partage. N'oubliez pas d'inviter vos contacts à s'abonner sur la page. J'ai mon compte personnel au moins d'Amin chez l'enfant du pays et j'ai cette page.
C'est juste dommage, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent sur mon compte personnel, mais pas sur la page. Mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer à faire mes lives sur la page. Les gens, voilà, les gens viendront s'abonner. Parce que le compte est réservé exclusivement pour mes publications. Et sur la page, je fais les lives. J'ai pas envie de mélanger les deux pour perdre ma page après. Parce que si je fais trop de publications ici sur la page, ils vont me faire sauter la page. Raison pour laquelle je fais les publications sur mon compte personnel. Si je supprime mon compte personnel, je vais ouvrir un nouveau compte personnel. On va dissocier maintenant la plateforme où je fais des publications et celle où je fais des lives. Merci beaucoup à Nancy. Non, je ne vais pas parler encore si on n'a pas atteint le 100 partages. Non. Je vous ai dit ça dès le début. Dès que j'ai commencé à le faire, j'ai dit ça. Que je vais apprendre aux Gabonais, moi, à me respecter. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on apprenne à se donner de la valeur. Je suis l'un des Gabonais, des activistes, des jeunes activistes gabonais, les plus constants, cohérents dans le combat que nous menons pour la libération de notre pays. Je refuse qu'on puisse me mépriser. Je vais apprendre à me faire respecter. Les Gabonais vont apprendre à me respecter. Ils vont apprendre à me donner de la valeur. Je refuse de venir faire des lives pendant que les cancres parlent sur les réseaux sociaux. Il y a des milliers de partages. Et quand un jeune Gabonais qui a sacrifié sa vie pour la libération du pays vient me parler, ben c'est à peine s'il y a 15 partages. Les gens viennent juste écouter. Après, c'est pour dire bravo à mon ami pour ton combat. Mais quand on dit bravo à quelqu'un pour son combat, on partage son contenu. Quand on est d'accord avec quelqu'un, on partage son contenu. On ne trouve pas des excuses bidons comme certains. Non, on a peur de partager tes publications parce que tu es trop virulent. Mais ils partagent quand même les lives des gens qui insultent les mères d'autres personnes, des hommes politiques parfois. Ils partagent. Donc je n'accepte plus des excuses bidons comme ça. Vous venez sur le live, c'est 100 partages minimum. Je vais monter à 200 partages, 300 partages. Avant de commencer le direct, si les gens ne veulent pas, je coupe. Je vais faire des lives, je sacrifie ma vie. Il y a une jeune demoiselle qui est sur ce direct, qui n'est même pas un peu gabonaise, qui m'a dit un jour, j'ai fait une publication, j'ai dit que j'étais malade. Et puis cette jeune demoiselle, elle m'a dit, tu as vu, tu as fait des publications pour dire que tu es malade. Fais une publication pour dire que tu as besoin d'aide. Il n'y aura personne pour t'aider. Et j'ai fait une publication sur toutes mes plateformes. Je n'ai même pas eu deux personnes pour m'apporter un soutien. Donc je viens faire des directs pour parler de mon pays. Alors que je suis à des mois sans payer le loyer. Il y a des gens qui m'écrivent là, mon ami, mais pourquoi tu ne fais plus des lives comme avant, tout ça là. Je viens, quand je viens dire aux gens que je suis dans la difficulté, il y en a qui se foutent même de ma gueule. Ils attendent que je puisse tomber, que je puisse rejoindre le pouvoir en place pour faire les publications sur les réseaux sociaux. J'ai fait une publication que j'ai publiée sur tous mes réseaux. Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. Il n'y a même pas eu deux personnes pour m'apporter un soutien. Malgré toutes les difficultés auxquelles je fais face au quotidien, en exil, malgré ma situation de sans-papier, j'ai parlé de ma situation de papier ici. Les gens n'ont rien à foutre. Malgré toutes ces difficultés, je continue à mener mon combat. J'ai dit à Dieu, tu connais, tu m'as envoyé dans ce combat, voilà, tu trouveras toujours des solutions pour moi. Je continue le combat. Et quand on dit aux gens seulement de partager, on ne vous demande pas votre argent, on vous dit seulement de partager les publications, vous ne voulez pas partager. Moi, je vais vous apprendre à me respecter. Si vous n'avez aucun respect, aucune considération pour moi, moi, je vais imposer le respect. Ce sera comme ça dorénavant. Je ne fais pas mes lives pour venir être ridicule à faire des lives et puis il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent. S'abonner même sur la page, ils n'ont rien à foutre de s'abonner sur la page. Vous ne savez pas qu'en vous abonnant, en partageant le contenu, vous donnez de la force aux combattants de continuer le combat. Vous nous donnez la force de continuer. Vous pensez que c'est facile ce que nous faisons, quoi. Je risque ma vie, je perds mon énergie. Depuis des années, les autres sont en train de profiter de leur jeunesse. La mienne, je l'ai totalement détruite. Et lorsque je viens faire des directs, les gens sont là, me regardent. On vous dit, mettez des cœurs et des pouces, partagez. Non, les gens ne veulent pas faire ça. Mais quand c'est des lives où les gens viennent parler des fesses, là, les Gabonais, ils sont forts pour partager, pour mettre des cœurs et des pouces, pour faire des captures vidéo, aller poster sur TikTok partout pour donner de la visibilité aux cancres. Quand les vrais enfants du Gabon se lèvent pour venir parler, non, il n'y a plus personne.
moi, vous allez me respecter. Parce que je mérite votre respect. Merci infiniment à ceux qui prennent de leur temps pour partager, à ceux qui mettent des cœurs et des pouces. Bolo, monsieur Ngimbi. Raymond Motsi dit, on a peur de partager. Non, maman Ray, pas toi, tu ne peux pas avoir peur de partager. Vous n'avez pas peur de partager? Je vois les lives de beaucoup d'activistes que vous partagez sur les réseaux sociaux. Maintenant, dites-moi en fait, au moins la Minchenga, quoi, qui fait en sorte que vous ayez peur de partager? Je ne veux pas citer les noms des contemporains, mais je connais beaucoup de jeunes Gabonais qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des lives, qui sont virulents. Vous les partagez? C'est quoi cette raison de « Oh non, moi la Minchenga, on a peur de partager tes lives ?» Parce que moi, je fais quoi de différent des autres? Vous ne voulez juste pas donner de la visibilité à ceux qui méritent d'avoir la visibilité. C'est tout. Vous ne pouvez pas venir dire en 2022 que vous avez peur de ces gens-là. Il n'y a plus rien en face de nous. Si ce régime était aussi puissant qu'il était avant, moi je serais déjà mort depuis en exil. Si ce régime que vous craignez était aussi puissant qu'il était au temps de Mao, moi je serais déjà mort depuis. Il n'y a plus rien en face de nous. Il n'y a plus rien. Ceux qui sont en face de nous, là, ont peur de nous. Donc, il faut arrêter avec vos histoires. On a peur. Tu viens sur le live. Tu as peur de liker. Tu as peur de partager. Il faut arrêter. Parce que tant que vous continuerez à avoir peur, eux, ils continueront à marcher sur vous. Vous devez comprendre que ceux qui sont en face de nous, là, ont peur. Ils ne sont plus rien. Ils procèdent juste aux intimidations. C'est tout ce qui reste à ce régime. S'ils étaient aussi puissants qu'ils étaient avant, moi, je serais mort depuis en exil. Parce qu'ils savent où je suis. Ils savent dans quel pays je suis. Ils savent. S'ils étaient aussi puissants qu'ils étaient avant, ils m'auraient déjà moi éliminé. Depuis. Ils ne sont plus rien. Ils ont été affaiblis. Spirituellement comme physiquement. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aucune. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Et merci de partager le direct. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, abonnez-vous sur la page. Vous êtes nombreux à regarder les lives des imbéciles des réseaux sociaux, des gens qui ont décidé de devenir les Ivoiriens, des Gabonais, des activistes gabonais, le Gabonais qui a toujours été un modèle. Aujourd'hui, les Gabonais sont comme les faibles d'esprit Gabonais des réseaux sociaux, ont décidé de faire maintenant comme les Ivoiriens, faire des directs de la distraction, de la zombification, faire des lives pour faire des clashs en longueur de journée, parce qu'on veut avoir des vues, on veut avoir la visibilité, parce que c'est ce que les Gabonais aujourd'hui aiment. Je suis de ceux qui vous apprendront à donner de la valeur à ceux qui le méritent. Donnez de la valeur à ceux qui le méritent. Partagez le contenu de ceux qui le méritent, de ceux qui méritent, pas des cancres qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à chercher les clashs parce qu'ils veulent gagner de l'argent sur leur page monétisée. Bref, Mbolani la famille. Mbolani, à ceux qui viennent d'arriver, nous avons atteint nos 100 partages. Ceux qui viendront regarder en différé, ceux qui viennent me regarder souvent en cachette là, qui ne veulent pas qu'on les voit en live, qui viennent regarder en cachette, prenez aussi le temps de partager. Hein. Il faut partager. Moi, je dépense mon énergie. Partagez au moins. Donc, on va faire le tour de l'actualité, évoquer quelques sujets qui dérangent, mais qui font un grand bien. Dernièrement, il y a eu un triple homicide du côté d'Alena Kiri à Ouvendo, dans l'Estuaire. Et j'ai la ferme conviction que ce triple homicide est un crime rituel masqué. Nous avons un jeune prénommé Anthony qui a assassiné sa concubine, Mademoiselle Poupette Ningon, alias Rosemond, et leurs deux enfants. Et j'ai analysé les faits, j'ai d'ailleurs fait une publication là-dessus, où je disais que les deux cibles de ce criminel
étaient des enfants. Dans sa déposition, ce jeune compatriote dit qu'il a assassiné sa copine parce que la fille lui a attribué des enfants qui n'étaient pas les siens. Ce qui est totalement faux. J'ai reçu un audio d'une dame qui appuie les propos du jeune homme. Une dame se faisant passer pour la jeune demoiselle Ningon Poupette. Cette dame soutient l'acte de ce petit démon en disant que la fille a attribué au gars des enfants qui n'étaient pas les siens. Alors que la jeune demoiselle Poupette Ningon, qui n'avait que 18 ans, avait déjà une petite fille lorsqu'elle a rencontré ce gars. Elle avait une petite fille et le papa d'ailleurs de cette petite fille est résident au Sénégal. C'est un jeune Gabonais, sa famille vit du côté de Zangé. Et le jeune en question, qui est le papa de la petite fille, vit au Sénégal. Ça prouve déjà que la déposition du jeune homme est fausse. Il est rentré dans un réseau où on lui a demandé de sacrifier ses enfants. La jeune demoiselle a refusé. Il a assassiné cette dame et ses deux enfants. Ses cibles, c'était les enfants. Il a voulu faire croire que c'était un crime passionnel. Dans sa déposition, il fait croire qu'il a assassiné cette dame parce qu'elle lui a attribué les enfants. Et il fait croire également que son crime était un crime passionnel. Et il a voulu faire croire que c'était un crime rituel, c'est un menteur. Son acte est motivé par des ambitions obscures. La jeune demoiselle ne voulait pas que ses enfants soient sacrifiés. Voilà pourquoi ce jeune homme a tué la fille. Et ensuite, il a arraché le clitoris de la petite fille de 4 ans. Il a arraché la langue du bébé. Il a arraché également le nombril de la jeune demoiselle, mais ça c'était pour vouloir, voilà, c'était pour vouloir masquer l'acte commis sur les enfants. Et je suis sûr que ce jeune Anthony a derrière lui les puissants hommes de notre pays. Dans le journal télévisé de Bongo Télévision hier, ils ont dit que les organes n'ont pas été retirés, alors que le clitoris de la jeune, de la petite, a été ôté. La langue du bébé a été tranchée. Si ce petit criminel n'était pas soutenu par les terroristes qui sont à la tête de notre pays, il aurait été affiché partout dans tous les médias. Son identité aurait été révélée partout dans tous les médias. Les terroristes qui sont à tête de notre pays auraient profité de cette affaire pour distraire le peuple. Cette fois-ci, ils ont étouffé. Ils ont étouffé cette affaire. Faites attention à vous. L'histoire de cette petite fille doit nous emmener à prendre conscience de certaines choses. Parce que je suis rentré en contact, n'ayant pas trouvé le sommeil après cette histoire, je suis rentré en contact avec des proches de la jeune demoiselle et j'ai été informé que le côté paternel de cette petite fille ne voulait pas qu'elle sorte avec ce gars. Et nous, parents, nous, grands frères, parfois, nous ne devons pas prendre certaines décisions radicales par rapport à nos jeunes sœurs, à nos filles. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Lorsqu'une jeune fille va vivre avec un homme, même si vous n'êtes pas pour la relation, au moins, sachez où votre enfant vit et avec qui l'enfant vit. C'est très important. Si ce gars-là a commis un tel acte, c'est parce qu'il a remarqué que les parents paternels ou maternels de la jeune demoiselle n'étaient pas proches de leur enfant. C'était totalement désolidarisé de l'enfant. Voilà pourquoi ce couillon a eu le courage.
courage de commettre un tel acte. Parce que si les grands frères de Poupette étaient proches d'elle, si les parents au moins savaient où l'enfant vivait, s'ils étaient proches de la petite fille, ils n'auraient pas eu le courage de faire ça. Il a senti que cette petite était une petite vulnérable. Voilà pourquoi il a eu le courage de le faire. En ce moment, il se passe des choses dans notre pays. Le diable est assis au Gabon. Les terroristes qui sont à la tête de notre pays ont besoin de sang. Ils tiennent leur pouvoir du crime, du sang. Et ils ont commencé leur sacrifice. Donc faites attention à vous. Qu'il n'y ait plus dans notre société, dans notre pays, une autre poupette Ningon Obam. Et il faut qu'il y ait justice dans cette affaire. Parce que lorsque j'ai fait la publication pour relater les faits par rapport à mon analyse, je disais que je ne suis pas un psychocriminologue, mais quand j'essaie d'analyser un peu la situation, je suis arrivé à la conclusion que ce petit démon avait des ambitions démesurées, il a voulu sacrifier les deux enfants, sa copine s'est interposée et il a sacrifié la petite. Et après avoir fait ma publication, j'ai eu des infos depuis la police, depuis la PJ, où on me dit que le jeune homme avoue avoir sacrifié les enfants parce qu'il est rentré dans une histoire de portefeuille magique. Mais je sais que c'est faux. Mais on se rapproche de la vérité. Il avoue au moins avoir commis un crime, un sacrifice rituel. Mais il cache, il protège les commanditaires. Donc faites attention à vous, la famille. Je tenais vraiment à en parler parce que j'ai été vraiment choqué. J'ai été choqué. Une petite fille de 18 ans. Une très belle femme. Très belle demoiselle. Charmante demoiselle. Qui avait de beaux enfants. Et quand j'ai encore vu les trois corps dans la maison, j'ai vu la quantité de sang qu'il y avait dans la pièce, dans cette petite pièce. J'ai dit que ce jeune homme, c'est un menteur. Il a sacrifié, il a pris le sang, il a pris les organes et il a pris le sang des enfants. Et quand on regarde la posture des deux enfants, on comprend tout de suite que c'est sur eux qu'il y a eu le rituel. C'est sur les deux enfants. Le bébé sur le lit, la petite fille allongée. La maman a été écartée, elle a été placée sur le côté. Le rituel ne s'est pas passé sur elle. Elle s'est passée sur les deux enfants. Il est parti que c'est... démons chérissent le plus sont la langue, le clitoris, le pénis. Une petite fille, son clitoris a été ôté, mais on regarde la quantité de sang qu'il y a autour d'elle, il n'y a presque rien. Parce que c'est par cette partie qu'ils ont pris le sang. Ils ont coupé le clitoris et ils ont pris le sang de la petite. Le bébé, ils lui ont coupé la langue, ils ont pris son sang également. Donc ils ont voulu nous faire croire au crime passionnel pour que le responsable de ce crime odieux puisse avoir une peine réduite. C'est ce que les commanditaires nous ont demandé de dire. On leur a demandé de parler du crime passionnel. Mais c'est un menteur. La petite fille n'était pas son enfant. La petite fille vivait d'ailleurs avec sa grand-mère. La petite fille de 4 ans vivait avec sa grand-mère et comme c'était les vacances, la Ningon est allée chercher sa petite fille pour passer les vacances. Donc ce n'est pas un enfant qui a été attribué, son papa officiellement est reconnu, il vit du côté du Sénégal, il est d'une très bonne famille du côté de Zangué. Donc c'est faux, ce n'est pas un crime passionnel. Et personne ne commet un crime passionnel en assassinant sa femme et ses enfants et en volant leurs organes, c'est faux. Les crimes passionnels existent. Des hommes qui assassinent leurs femmes et leurs enfants par jalousie, ça existe. Mais personne ne commet un crime passionnel en assassinant sa femme, ses enfants et en ayant le temps d'aller couper le clitoris de l'enfant. C'est faux, ça n'existe pas. Et cette affaire, ils sont en train de l'étouffer. Comme j'ai la ferme conviction que notre Gabon nouveau est proche, les responsables de ce triple homicide paieront pour leur crime. Même si le jeune Anthony a décidé de cacher, de, de,
couvrir les commanditaires, les responsables de ce triple homicide paieront tôt ou tard pour leur crime. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live et merci de partager. Merci de partager le direct massivement. Ouais, maman Raymond dit un crime crapuleux, mon Dieu, il va s'en sortir et continuer sa vie au calme. Il y a beaucoup, je disais ça à un frère récemment, qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été responsables de crimes de ce genre. Qu'on vous a fait croire qu'ils sont en prison, mais ils sont à l'étranger. Ils font un semblant, un simulacre, un théâtre au tribunal, on fait semblant de les condamner et après on les envoie à l'étranger. Ils sont nombreux, ils vivent à l'étranger. Vous les croyez là en prison, ils sont à l'étranger. Un petit criminel comme celui-là, je serais pas surpris qu'on l'envoie à l'étranger. Ils sont beaucoup là. Leur pays préféré, c'est le Maroc. Il y a beaucoup là, vous les croyez en prison là-bas, on les envoie au Maroc. Où ils vont au Maroc, où ils vont au Rwanda, où ils vont en Afrique du Sud. Beaucoup là, beaucoup de Gabonais. Ils vont commettre des crimes pour le pouvoir en place, après on les envoie à l'étranger. Ils vont avec des mallettes d'argent, ils s'en vont. Quand vous écoutez ce jeune homme, ce qui a attiré mon attention, c'est que c'est lui qui fait la vidéo à côté de la police, mais je ne ressens aucune émotion, aucune once de tristesse n'est décelée dans sa voix. Je me dis, c'est vrai que, voilà, c'est vrai, il est bien vrai que les grandes douleurs sont muettes et que nous, les hommes, nous nous cachons pour pleurer, mais aucune émotion dans sa voix. Je dis, non, là, il y a un problème. Je dis, il y a un problème, il y a un truc pas clair. On ne peut pas avoir perdu sa femme et ses deux enfants, et puis, voilà, ne pas avoir, je ne sais pas, un brin de tristesse dans la voix, mais non, il n'y en a rien. Je dis, il y a un problème. Le gars, il dit à la police, à la fin de la vidéo, de cette courte vidéo de 45 secondes, il dit non, cet acte-là n'a pas été commis par un seul homme. J'ai dit là, je sens qu'il essaie de se dédouaner. Et il n'a même pas été intelligent, il aurait pu mentir que la fenêtre a été ouverte. Lui-même, il dit non, la fenêtre n'était pas ouverte. Quand j'ai compris qu'il n'y a eu aucune infraction dans la maison, j'ai compris que le criminel connaissait les lieux et les victimes connaissaient leur bourreau. Il n'y a eu aucune infraction. Et lorsque j'ai encore remarqué qu'il n'y avait pas une très grande quantité de sang répandue dans la maison, je dis là, il y a eu crime rituel. Il y a eu crime rituel. Il a pris le soin de récupérer le sang et il est ressorti de la maison après avoir commis son forfait. Il est ressorti de la maison. Il allait déposer les organes quelque part avec le sang et il est revenu. Et je crois que il a des complices dans son entourage. Son acte, il n'a certainement pas fait seul. Comme lui-même le dit, ce n'est pas l'acte d'un seul homme. Dans son entourage, il doit, son parrain, dans leur franc-maçonnerie, dans la loge dans laquelle il a adhéré, doit être quelque part dans ses parages. Tout à fait, maman Estelada qui dit qu'il n'était pas seul. Oui. Il n'était pas seul, c'est clair. Quand il le dit aux policiers, c'est pour tenter de se dédouaner. Mais en même temps, il nous donne une information. Il n'était pas seul. Parce qu'il y a un rituel qui s'est passé. Quand il coupe le clitoris de la petite fille, il ne le prend pas simplement avec le couteau et puis il coupe et puis c'est bon. Non, ils ont pratiqué un rituel, là sur place. Mais il fallait d'abord, je crois qu'ils ont d'abord, il a d'abord éliminé la maman avant de faire le rituel. Il a éliminé la maman, ils l'ont balancé à côté. Et ensuite, ils ont pratiqué le rituel sur l'enfant qui était sur le lit, sur la petite fille qui était au sol. Ils ont pratiqué le rituel. Dans cette pièce, dans la chambre. Ils ont pris le sang des enfants. Bon, ces enquêteurs-là sont complices. Vous pensez qu'ils ne sont pas complices? Ils sont complices, ces enquêteurs.
Tous ces policiers, ces enquêtes, ils ont les noms des commanditaires des crimes rituels au Gabon. Mais ils ne peuvent rien dire, ce sont des francs-maçons. Les hauts gradés de la police au Gabon sont des francs-maçons. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais ces commanditaires-là inquiétés. Ils ont les noms des commanditaires. Ces policiers-là, lorsqu'ils mènent des enquêtes, ils ont les noms des commanditaires. Ils savent. Mais au Gabon, les hauts gradés sont des francs-maçons. Les juges sont des francs-maçons. Les avocats sont des francs-maçons. Procureurs francs-maçons. Tous sont des francs-maçons, des bongoïstes. Tous font allégeance à maman. Voilà pourquoi je dis à ces petits esprits qui passent le temps à s'attaquer au christianisme que le vrai problème de notre pays, c'est la franc-maçonnerie. Lorsque nous ferons tomber ce régime, nous détruirons tous les temples de la franc-maçonnerie qui sont dans notre pays. Nous ferons la guerre à la franc-maçonnerie. Parce que le mal du Gabon, c'est la franc-maçonnerie. Mais des petits esprits ont décidé de nous faire le bruit tous les jours sur les réseaux sociaux à parler du christianisme qui prêche l'amour. Des bouffons qui se disent défenseurs de la tradition. Certains d'entre eux sont même des francs-maçons, des reçus chrétiens. Ils passent le temps à combattre le christianisme qui prêche l'amour. Le christianisme prêche l'amour. Le christianisme est contre les crimes rituels. Nos pseudo-panafricains, kémites, passent plus le temps à combattre le christianisme que la franc-maçonnerie, qui est le véritable problème de notre pays. Je vois des jeunes en longueur de journée. J'ai un de mes grands frères, tous les jours, dès qu'il dort, il se réveille. C'est pour venir attaquer le christianisme. Mais les démons de ton pays, ceux qui commettent des crimes de sang, sont des francs-maçons. Des francs-maçons. Mais les francs-maçons ne sont pas inquiétés. Nos pseudo-kémètes là, kémètes panafricains et tout, ne dépensent pas leur énergie pour dénoncer la franc-maçonnerie. Les crimes rituels là, faut pas se mentir, ce sont des pédégistes, ce sont des gens qui sont au pouvoir, ce sont des francs-maçons, des rosicruciens. Ce sont ces gens-là. Mais après, je comprends. Je comprends. Chacun ses priorités. Et même dans nos rites traditionnels, ils ont fait rentrer la franc-maçonnerie. Ils ont fait rentrer la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Comment comprendre que des gens aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, passent plus de temps à attaquer une religion qui prône l'amour? Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est tout. La franc-maçonnerie, voilà, est là pour tuer, pour détruire. Mais les gens combattent ceux qui disent, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous devons mettre nos énergies à combattre la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie détruit le Gabon. La franc-maçonnerie détruit le monde. La franc-maçonnerie nous impose nos dirigeants. Parce qu'on vous fait croire, on vous fait croire que c'est vous qui élisez vos présidents dans les urnes. Mais ce sont ces gens-là qui choisissent vos présidents. Ils sont choisis dans les milieux francs-maçons. Après, ils viennent faire du cinéma, ils font semblant de s'insulter. Oh oui, Ali Bongo c'est ci, Jean Ping c'est là, Nzuba c'est ci, machin. Tous là-bas, ils se foutent de nos gueules. Ils se retrouvent dans les milieux francs-maçons. La nuit, la journée, ils viennent faire le cinéma.
J'avais publié ici sur Facebook, voilà pourquoi mes comptes sont constamment attaqués. J'avais publié les endroits où se trouvent les hôtels sataniques, maçonniques au Gabon. J'ai publié les différents endroits avec des photos. Je vous ai dit tout ce qu'ils ont placé pendant la CAN 2012, les monuments qu'ils ont placés à Rio, qu'ils ont placés à Kanda. Le truc même que vous voyez devant la présidence, mi-homme, mi-femme, tout ça, ce sont des hôtels sataniques. C'est à cause de ça que vous voyez aujourd'hui les Gabonais ne s'intéressent qu'aux futilités. Lorsqu'on parle des fesses, ça attire les Gabonais. C'est à cause de tout ça. Ils sont prisonniers, spirituellement prisonniers. Vous voyez, aujourd'hui, le Gabonais, il est beaucoup plus intéressé au sujet qui parle des fesses qu'aux problèmes, qu'aux publications où on parle de libération du Gabon. Les Gabonais, aujourd'hui, sont dégoûtés. Tu mets une publication pour parler de libération du Gabon, il n'y a personne. Mais dès que tu mets une publication pour parler des fesses, allez, ils sont là. C'est à cause de ces hôtels maçonniques sataniques. Lorsqu'ils font ces crimes de sang, c'est pour continuer à endormir le peuple spirituellement. Sortez de la matrice, réveillez-vous. Nous devons combattre la franc-maçonnerie avec la dernière énergie. La franc-maçonnerie est également ancrée aujourd'hui dans l'Église. Mais nous connaîtrons bientôt un Gabon nouveau avec des nouveaux hommes de Dieu qui craignent véritablement le Seigneur à la tête du Gabon. Le réveil du Gabon se passera sur tous les plans. Sur le plan physique comme spirituel. Si nous avions des vrais hommes de Dieu qui servent Dieu au Gabon, ce peuple allait déjà se lever pour faire tomber le régime Bongo. Mais ils ont infiltré tout au Gabon. Ils ont infiltré, ils ont placé leur franc-maçon partout. Ils sont dans les églises partout. Ils ont placé les francs-maçons partout. Ils sont là dans beaucoup d'églises, là, les francs-maçons. Leur mission est d'endormir le peuple, l'empêcher de se révolter. Si vous voyez aujourd'hui des Gabonais avec des raisonnements comme non, moi, je ne me mêle pas de la politique, c'est parce que c'est ce que les hommes de Dieu francs-maçons qui sont aujourd'hui à la tête de l'église gabonaise, mettent dans la tête de leurs fidèles. Dieu est un Dieu de justice. Comment prétendre être un homme de Dieu et ne pas combattre l'injustice, ne pas combattre les crimes? C'est le devoir de l'homme de Dieu. Ce n'est pas seulement venir demander la dîme, demander la quête. Les hommes de Dieu doivent se lever pour dénoncer la mauvaise gestion du pays. C'est aussi leur devoir. Dans le jugement dernier, vous rendrez des comptes à Dieu, aux hommes de Dieu du Gabon. Mais Dieu est déjà en train de faire un nettoyage. Je vous ai dit ça depuis, il y en a qui s'en souviendront. J'ai tellement parlé. Je vous ai dit que les hommes de Dieu, Dieu fera un nettoyage au Gabon. Ils sont là, ils sont beaucoup là en train de passer. Ils sont passés, beaucoup d'entre eux. Les Pierre-Bi Gaïtan, l'autre tocard, là, comment il s'appelait, Mavioga, tous ces faux pasteurs, francs-maçons, voilà encore un autre qui était franc-maçon. Les Mike Joktan, tous vous allez passer. Avant de rentrer dans le Gabon nouveau, vous serez frappés par l'éternel Dieu des armées. Vous ne rentrerez pas dans le Gabon nouveau. Bref. C'était la première partie de mon direct pour parler de, voilà, de notre triple homicide, le triple homicide qui a eu lieu du côté d'Alena Kiri. Mes sincères condoléances à la famille de la petite poupette Nyingon Obam, alias Rosemond. Mes sincères condoléances, courage, 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 et que cela ne se reproduise plus dans notre pays. Chers compatriotes, les examens dans notre pays viennent de prendre fin. Nous avons des milliers et de milliers de jeunes Gabonais qui ont eu leur CEP, des milliers de Gabonais qui ont eu leur BEPC, leur bac. Mais où sont les écoles?
Où sont les universités? Où vont-ils apprendre? Quand on sait que les bacheliers de la promotion 2019 sont encore en première année. Pas pour leurs mauvais résultats scolaires, mais à cause des cancres qui sont illégalement à la tête de notre pays. La promotion 2019. Ce soir, il y a beaucoup de parents qui sont en train de fêter. Leurs enfants ont eu le bac. Mais où vont apprendre les enfants? Où iront-ils? Les bésodromes seront encore transformés en salles de classe par ces cancres qui sont à la tête du Gabon. Nos enfants iront apprendre encore dans des anciens motels. Où vont-ils apprendre? Les enfants vont encore se retrouver l'année prochaine dans des salles avec 100, 200 élèves. Où vont-ils apprendre? Voilà pourquoi il est plus que nécessaire que nous puissions nous organiser véritablement pour faire tomber ce régime. Chers parents d'élèves, pensez à vos enfants. Là, il y a des enfants à qui on attribue des examens, qu'on attribue comme ça le passage, la réussite aux examens, parce qu'ils veulent vider les salles de classe. Il y a quel enseignement au Gabon? Il y a quel enseignement dans notre pays? Nos parents à l'époque qui avaient un niveau CM2 sont capables de donner aujourd'hui des cours à des élèves qui ont un niveau terminal. Désolé. Est-ce que les enseignants aujourd'hui vont à la fin de leur programme au Gabon? Le génocide scolaire se passe là sous nos yeux. Il est temps que nous puissions réagir. Là, nos enfants ont eu leurs examens. Où vont-ils apprendre? À ceux qui pensent aux prochaines élections de 2023, qui espèrent faire tomber ce régime en 2023, je vous répète encore qu'il ne partira pas. Ce régime ne tombera pas par les urnes. Nous devons nous battre, libérer notre pays pour que nos enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions, pour construire des écoles dans tous les coins de notre pays. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui partent d'une ville, d'une province à une autre province pour aller passer des examens. On a vu récemment, c'était quoi? C'était Mivoul, c'est ça? Bifoun, hein? Bifoun. Bifoun, je crois que c'est dans le Moyen-Orient. Des élèves qui partaient de Bifoun jusque dans le Wolente Maoyem pour aller passer leur examen. Ça ne doit plus se passer au Gabon, dans notre pays. Merci de mettre des cœurs et des pouces, la famille, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Nous devons nous battre, libérer notre pays pour que prenne fin des choses comme ça, pour que prenne fin cette anarchie dans notre pays. Là, il y a des milliers de jeunes Gabonais, des milliers, de dizaines de milliers qui ont eu le CEP, des dizaines de milliers qui ont eu le BPC. Les enfants, là, iront apprendre où? Les enfants ont le bac. Il y a des enfants qui ont eu le bac ces dernières années, qui se sont retrouvés, voilà, redirigés vers l'ONE. Directement. Parce qu'ils ne veulent pas envoyer les enfants à l'UOB. L'UOB est surpeuplé et ils ne veulent pas construire d'autres universités. Parce qu'il faut continuer le génocide dans le secteur scolaire. Voilà. Plus la jeunesse est abrutie, plus elle est moins éduquée et moins représente un danger pour le régime en place. C'est fait exprès. Pour continuer à marcher sur un peuple, il suffit de génocider le secteur éducatif. Nous ne terminons plus les programmes scolaires, déjà que ces programmes scolaires imposés par les Occidentaux ont pour but de nous abrutir. Dernièrement, je faisais une publication où je disais qu'à l'époque, dans les années 50-60, nos leaders indépendantistes africains étaient des intellectuels. Et aujourd'hui, en Afrique, les intellectuels sont devenus des valets au service de l'impérialisme. Ils sont devenus des esclaves mentaux.
à cause du système, voilà, le système scolaire que nous impose l'organisation esclavagiste mentale qu'est l'UNESCO, une organisation au service des impérialistes pour continuer à brutir les Africains. Dans notre Gabon nouveau aussi, nous allons revoir notre programme scolaire. Il faut enseigner aux Africains leur histoire, parler aux Africains des héros africains. Il y a tellement de choses à revoir, tellement de choses à revoir dans notre pays. Dans notre Gabon nouveau, nous devons redevenir. Le Gabonais doit redevenir un modèle, parce qu'il a été jadis. Nous allons cultiver l'excellence, combattre l'indécence, la médiocrité, l'anarchie, la dépravation des mœurs. J'ai tellement hâte que nous puissions rentrer dans ce Gabon nouveau. La famille, nos enfants ont eu leur diplôme, où iront-ils apprendre? Au début de mon live, je disais merci infiniment à toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour partager mes directs. Merci infiniment. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct encore, la famille, je ne vois plus de cœurs et des pouces. Merci de mettre des cœurs et des pouces pour sécuriser le live, pour donner une bonne visibilité à notre direct. Ce n'est pas tous les jours que je vous embête, je ne fais plus des directs comme à l'époque. J'ai vieilli, j'ai pris de l'âge, je suis fatigué. J'ai décidé de sacraliser la parole, de ne parler que quand c'est nécessaire. Donc c'est pas tous les jours que vous voyez ma tête ici, s'il vous plaît. Souffrez de partager le direct, merci de mettre des cœurs et des pouces. Donc je disais au début de mon live, merci infiniment à toutes ces personnes qui prennent le temps, qui ont le courage, parce qu'il paraît qu'il faut avoir du courage pour partager mes lives. Merci à toutes ces personnes qui ont le courage de partager mes directs. Merci. Chacun de vos partages fait trembler la présidence. Chacun de vos partages fait trembler la présidence. Je ne suis pas l'activiste le plus suivi au Gabon, mais grâce à vos partages, je suis l'activiste qui fait le plus trembler la présidence. Ils le savent tous. Certains prendront ça pour de la prétention, mais non, ce n'est pas de la prétention, c'est une réalité. C'est un fait. Mais c'est grâce à vos partages. Parce que si je viens parler et que personne ne partage, mes directs n'auront aucun effet. C'est grâce à vos partages. Ça, je n'oublierai jamais de le mentionner. Dernièrement, j'ai fait un direct ici où je disais que les porteurs du masque, du sosie, je disais que l'un des porteurs du masque du sosie allait prendre une balle à la tête à Port-Gentil. Vous vous souvenez de ce live? Je vous ai dit que l'un des porteurs du masque du sosie du défunt Ali Bongo allait prendre une balle à la tête dans mon live ici, et j'ai fait plusieurs publications. J'ai pris une partie de ce live, j'ai partagé sur Instagram, TikTok, sur mes comptes un peu partout, Twitter et autres. J'ai dit à un de mes frères sur WhatsApp que si après ma sortie le sosie du défunt Ali Bongo va pour gentil, c'est que je ne suis pas un homme. Quand ils ont annoncé l'annulation de la tournée du sosie à Port-Gentil, j'ai beaucoup de grands frères qui m'ont écrit, qui ont directement pensé à moi, qui sont abonnés sur ma page, qui me suivent sur Facebook, sur mes réseaux. Ils sont venus m'écrire et me dire que, oh petit frère, vraiment, petit frère, tu fais trembler les gens. Et sur le coup, j'ai pensé à ceux qui ont le courage de partager mes lives. Ils sont là sur mon live. Leurs services de renseignement sont là sur mon live. Ils sont abonnés sur tous mes comptes. Ils me suivent. J'ai des grands frères qui m'ont écrit directement, qui m'ont dit non. Mon ami, Gabon Mediata, il m'a publié. Il y a un monsieur qui est abonné sur ma page ici, qui m'a écrit sur mon compte personnel, qui m'a dit, oh, mon ami, je te suivais depuis. Mais là, quand ils ont annulé, soi-disant, à cause du Covid, la tournée à Port-Gentil, j'ai dit non, le petit là, il n'est pas simple.
Le grand frère m'a écrit, je crois qu'il est peut-être là sur le direct. Il m'a écrit sur mon compte personnel. Il me dit, non, petit frère, j'ai eu la preuve. Je savais déjà que les gens-là te craignaient, mais là, j'ai eu la preuve que les gens-là te craignent vraiment. Je vous ai dit la vérité, la famille. Les gens-là ont peur de nous. Maman Ré, les gens que vous craignez là ont peur de nous. Ce sont des peureux. Ce sont des peureux. Là, j'imagine Oseni Ossa qui dit à Boukoubi que ah, attends, moi je ne porte pas le masque pour aller pour gentil, il faut porter ça. Il y a Boukoubi qui dit à Billy Binzeka, attends, c'est toi qui dois aller porter le masque aujourd'hui, c'est ton tour. Boukoubi qui dit à Ted Kouna que ah, mon petit, tu es encore jeune, porte le masque. Ils ont dépensé des millions pour la tournée à Port-Gentil. Des millions. Ils ont fait des t-shirts. Ils avaient à payer des gens. Ils ont même programmé le marathon de Port-Gentil là, à la période là. Parce que voilà, ils allaient profiter de ça, du monde dans les rues à cause du marathon. Profiter comme ils ont fait là-bas dans le Haut-Ogooué. À cause de la vidéo sur la page du petit activiste que vous voyez là. Quand les gars ont entendu que le sosie va prendre une balle à la tête. Comme Omar Bongo avait reçu la balle de fer au château. Les gars qui portent le masque là ont dit que les blagues ont des limites. Oh. Je vous dis que chacun des partages que vous effectuez est une balle tirée sur nos ennemis. Vous imaginez sur la page là, il y a à peine 1000 personnes abonnées sur la page. 1200 personnes. Vous imaginez ce que mon ami tu aurais provoqué sur cette page, il y avait 100 000 personnes, 100 000 Gabonais abonnés. Il y a à peine 1200 personnes sur cette page. Mais les gars ont peur. Ils tremblent. Ils n'ont pas annulé la tournée à cause du Covid. Ils ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur. Je vous ai dit dans mon dernier live ici que ce qu'ils vont faire dans le Haut-Ogooué, ils ne peuvent pas le faire dans les autres provinces. Je l'ai dit ici dans mon live. Ils ont des limites. Dans le Haut-Ogooué, ils étaient en terrain conquis. Voilà pourquoi on a vu le sosie venir même danser devant les mamans. Mais ils ont des limites. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font dans le GD aujourd'hui avec le faux Ali Bongo à Port-Gentil. Ils ont peur. Ils ont peur. Et j'ai dit au PDG que nous allons les contraindre soit à officialiser le décès d'Ali Bongo, soit déclarer la vacance au pouvoir. Malheureusement, nous sommes très peu, ma famille. Nous sommes très peu. J'ai vu un frère qui disait sur une de mes publications que comment les Gabonais font pour croire encore qu'Ali Bongo est en vie. J'ai dit, mes frères, comment tu veux que les Gabonais puissent nous croire quand les activistes alimentaires continuent à parler du défunt Ali Bongo au présent? On a démontré aux Gabonais qu'Ali Bongo est mort. Celui qu'on nous montre n'est pas Ali Bongo. On l'a démontré aux Gabonais. On ne fait que parler, mais qui sommes-nous, pauvres petits combattants, quand les grands activistes gabonais continuent à mentir au peuple? Juste une simple question, demander pourquoi celui qui est capable de parler le 17 août, le 31 décembre, ne peut pas parler devant les journalistes. Pourquoi? Juste cette simple petite question, regardez vos activistes qui ont une très forte audience, ils refusent. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un ne peut pas venir parler avec autant de virulence comme je suis en train de parler. Parler à haute et intelligible voix le 17 août dans un discours publié au Gabonais, le 31 décembre à la veille du nouvel an. Ne peut pas venir parler à haute et intelligible voix et ne jamais parler devant les journalistes. Les chefs d'État défilent à la présidence. Ils passent en conférence de presse, mais jamais celui qu'on présente au Gabonais comme étant Ali Bongo. Il y a des audiences et audiences, des centaines d'audiences. Depuis que je suis né, il n'y a pas eu autant d'audiences au Gabon comme ce qu'on est en train de, comme ce qui se passe en ce moment. Parce qu'ils veulent nous convaincre qu'Ali Bongo est en vie. Il n'y a pas eu autant d'audience. Mais les audiences se succèdent entre elles, à la présidence. Les invités viennent parler au micro du journaliste, mais jamais celui qu'on nous montre comme étant libre. Donc, c'est la preuve qu'ils ont un micro spécifique. Je dis ça aux Gabonais depuis des années. Ils utilisent un logiciel de clonage de voix pour manipuler le peuple.
Voilà pourquoi il ne parle pas devant les journalistes. Mais qui suis-je, pauvre petit combattant? Je ne fais que le dire aux Gabonais. Qui suis-je? Combien sommes-nous? J'ai des frères qui font des publications. Mais combien sommes-nous? J'ai mon grand frère Hugues, il va me fameux toi qui en parle. Mais combien sommes-nous? Si tous les activistes gabonais parlaient de ce mensonge d'État, le peuple se serait soulevé. Mais il y a des activistes alimentaires. Et malheureusement, ce sont ces activistes alimentaires qui ont beaucoup plus d'audience, qui sont beaucoup plus suivis par les Gabonais. Ces activistes qui continuent à mentir au peuple. Pourtant, la vérité est là sous nos yeux. La vérité est sous nos yeux. Cet homme qui parle devant l'Assemblée nationale, qui parle le 31 août, le 31 décembre, le 17 août, qui va même jusqu'à Riyad, qui va à Glasgow, à Londres, parler au micro, ne parle pas devant les journalistes gabonais. C'est la preuve qu'ils utilisent un micro spécifique, un micro de clonage, avec un logiciel de clonage de voix. Et là, le sosie, il a eu peur de mourir à Port-Gentil. Ils nous disent qu'il y a une flambée de cas de Covid du côté de Port-Gentil, mais le marathon de Port-Gentil s'est tenu. La visite du sosie a été annulée, les gars ont eu peur de recevoir une balle à la tête. Ils ont eu peur. Nous allons continuer à faire du bruit, continuer. Continuerons à faire du bruit, continuer à dénoncer ce mensonge d'État. Continuez. Refusons d'être complices. Refusons d'être complices de ce mensonge d'État. Depuis le 24 octobre 2018, le Gabon est sans président. Ali Bongo, cet imposteur qui a volé les élections en 2009 et en 2016, est mort à Riyad en Arabie Saoudite. Je continuerai à le crier tous les jours, même si je suis traité de chanvré, de drogué, de fou par les Gabonais. Je continuerai à le dire, parce que c'est la vérité. Je continuerai à dénoncer tous les jours. Je refuse d'être complice de ce mensonge d'État. Je refuse qu'on fasse insulte à mon intellect. Voilà, Bélestier Mapangou dit la population est confuse. Tout à fait, la population est confuse parce qu'il y a des activistes qui jouent au jeu de la France et du pouvoir. Je ne vais pas les citer, mais ils sont là sous vos yeux. Je vous dis la vérité, que tous ces activistes-là, les activistes gabonais savent qu'Ali Bongo est mort. Ils savent que celui qu'on montre là, ce n'est pas Ali. Et même s'ils ne le savent pas, il y a une simple question à se poser. Pourquoi celui qu'on nous montre comme étant Ali Bongo ne parle pas devant les journalistes? A simple question. Comment quelqu'un est capable d'aller parler partout mais pas devant les journalistes? Et je vous dis la vérité, Osuka Raponda a été nommé Premier ministre simplement pour aller représenter le faux Ali Bongo partout en Afrique. Vous n'avez pas remarqué que le sosie est capable d'aller en Angleterre, mais pas dans les pays africains. Le seul pays africain où il va, c'est le Maroc. Parce que le Maroc est complice de ce mensonge d'État. Vous n'avez pas remarqué que le sosie en question, il ne part pas. Il ne part pas au Congo, il ne part pas au Bénin, il ne part pas au Cameroun, hein, au Mali, tout ça. Non, il ne va pas. Lui, il va juste dans les pays des Blancs. Parce que notre pays est victime d'une conspiration orchestrée par l'Union européenne, par la France, par les États-Unis. Parce que nous, on voit beaucoup la France, mais les États-Unis sont derrière. L'Angleterre, les États-Unis sont derrière. Ils sont complices de ce mensonge d'État. C'est un faux prétexte, leur histoire de Covid, là, c'est un faux prétexte. Ils ont eu peur, je vous dis la vérité. Et vous savez ça. Du moins, ceux qui me suivent, vous savez
que les gars là ont entendu parler de la balle à la tête que le sosie allait recevoir. Voilà pourquoi ils ont parlé de Covid. Ils ont eu peur. Ce sont des peureux, ils ont peur de mourir. Lorsqu'ils vont annoncer une tournée à Mouila, on multiplie les audios pour dire qu'à Mouila là-bas, il y a quelqu'un qui l'attend avec un calibre 12. Vous allez voir, ils vont annuler. Parce qu'eux-mêmes, les gens savent qu'à n'importe quel moment, ça peut venir. Ils savent ça. Ils savent qu'à n'importe quel moment, ça va venir. Il y a un Gabonais qui en aura marre, qui va mettre une balle à la tête au sosie là. Ça viendra. Les gars savent. Ils ont un peu pris la confiance. Maintenant, on va les refroidir. C'est parce qu'ils savent que ça peut venir à n'importe quel moment que vous allez remarquer. Et je vous mets au défi. Je vous mets au défi de me montrer votre faux Ali Bongo là. Une seule image de lui à l'aéroport en train d'aller accueillir un président. Il n'y en a pas. Le gars tourne autour de la présidence. Comme ils ont eu un peu confiance, ils l'ont envoyé un peu dans le haut Togo faire une tournée. Ils sont allés dans le Guévindo. Mais la sécurité est toujours là. Le gars a même plus de sécurité même que le fait Ali Bongo le sont vivants. Parce que les gars savent que ça peut venir de n'importe où. À l'aéroport là-bas, c'est pas bon, c'est trop ouvert. L'espace est trop ouvert. Il n'y a aucune image de ce que fait Ali Bongo à l'aéroport qui va chercher un président. Pourtant, il est capable d'aller jusqu'en Angleterre. Hein. Mais partir de la présidence, là, venir chercher un président là, à l'aéroport, comme le fait Ali Bongo le faisait de son vivant, comme Omar Bongo le faisait à l'époque, le sosie, il ne fait pas ça. C'est pas dans ses prérogatives. Ils ne prennent pas trop de risques. Les signes sont là. Ceux qui veulent être bêtes vont demeurer bêtes. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. On n'a pas besoin d'être un expert. Il ne va jamais chercher le président à l'aéroport. Il ne parle jamais aux journalistes en interview. En conférence de presse, lorsque les présidents arrivent, ils viennent, ils s'expriment. Les présidents qui défilent, qui sont envoyés par la France-Afrique pour venir légitimer le faux Ali Bongo. Ils viennent là dans le pays, ils défilent, ils vont parler en conférence de presse. Jamais celui qu'on vous présente comme étant Ali Bongo. Jamais. Ils ne parlent que dans des occasions bien spécifiques. Les gars ont déjà préparé leur logiciel de clonage de voix. Et il vient après faire son cinéma. Ils sont nombreux à porter le masque. Nombreux. Vous allez voir qu'on a peut-être connu une centaine, hein. Il y a une centaine de visages différents de ce faux Ali Bongo, une centaine. Deux secondes, la famille, je vous arrive. Les gars, ça ne sert à rien de mettre mon téléphone sur écoute, tout ça là, ça ne sert à rien, les gars. On est arrivé au niveau où ils activent derrière même le contrôle vocal à distance. Ah, vraiment, les gars, là, calmez-vous, les gars. Me mettre sur écoute, tout ça, ça ne changera rien. Les Français ont assassiné Lumumba, ils ont assassiné Sankara, ils ont assassiné les Occidentaux, ont assassiné Samora Machel, ils ont assassiné Amilcar Cabral, Niobe, Ernest Wandier, Félix Moumier. Ils ont assassiné de nombreux combattants africains. Ça n'a jamais arrêté la révolution. Jamais. Ça ne sert à rien. Demain, vous allez assassiner au Mona Vinci. Il y a déjà des centaines de Mona Vinci, des milliers de Mona Vinci dans notre pays. J'ai de nombreux enfants dans notre pays. De nombreux enfants. Qui feront mieux que moi, beaucoup mieux que moi. Donc les porteurs de masques qui sont là, ils sont nombreux. On a Oseni Ossa, le Béninois Oseni Ossa, le musulman Béninois Oseni Ossa,
féticheur franc-maçon. Celui qui dirige aujourd'hui le pays avec Sylvia Bongo, c'est un porteur du masque. Ted Kuna, je vous ai dit, le petit Ted Kuna d'Iminga, c'est un porteur du masque. Quand vous voyez le sosie avec les jambes arquées, c'est le petit Ted Kuna. Tapez sur Facebook Ted Kuna, vous allez voir. Alex Bernard Bongo, porteur du masque également. Quand vous voyez que le sosie est court, il aime beaucoup porter les boubous marocains. Ça, c'est Hosseini Osaké dans la tenue. Ou Alex Bernard Bongo. Faustin Boukoubi, quand vous voyez le sosie toujours en train de sourire, c'est Faustin Boukoubi. C'est son tic qu'il aime sourire, bêtement. C'est lui qui porte le masque. Fabrice Anjoua, c'est lui. Il est dedans, il porte le masque aussi. Le fils de Mborantso qui a les cheveux mangés comme les. Voilà. Comme le rat, les rats d'égout là. Le fils de Mborantso avec Albert Bongo, Mbombo Miyaku, on ne sait même plus. Tellement c'était le bordel. Ernest Mpo, porteur du masque également. Quand vous voyez le sosie avec la grosse tête, il y a Ernest Mpo. Il y a aussi un Tapoyo là aussi qui a l'œil tordu comme ça là. Grosse tête là aussi. On m'a si fait que lui aussi porte le masque. Guy Patrick Obian, lui aussi, il a apporté le masque. Quand vous voyez le sosie, bien clair, clair, grand détail, c'est Guy Patrick Obian ou Fabrice Anjoua. Tanguy Gaouma Bekale, c'est un ami de Noureddin. Il a aussi l'œil tordu comme ça là. Il est dans les histoires de COP26, de quoi, du climat et autres. Julien Kogé Bekale, lui aussi, il a apporté le masque. Il y a une période là, quand il était encore ministre, quand vous avez vu le sosie, il était gros avec le gros ventre. C'était Julien Kogé Bekale qui portait le masque. On m'a également sifflé qu'il y a Noël Mbumba qui porte le masque. Noël Mbumba de la Gève là, le gars de Port-Gentil. On m'a dit que Lem Mombo aussi, le mari de Mbouanto, Lindondo là, lui aussi il a porté le masque. Ils sont nombreux à avoir porté le masque. Mais pour la tournée de Port-Gentil là, ils ont eu peur. Pour la tournée de Port-Gentil, ils ont eu peur, les gars se sont passés le mot que qui va aller porter le masque. Alain-Claude Bilibinze, lui aussi, porteur du masque. Bilibinze, dès le début, les premiers sosies même, Bilibinze, Fabrice Anjoua. Quand j'ai commencé à faire des lives pour dire que c'est Bilibinze qui porte le masque, que c'est Fabrice Anjoua qui porte le masque, Brice Fargeon, à l'époque, prend la décapotable, il fait le tour de lui avec le sosie. Tellement les gars, c'est les gamins. Je vous dis la vérité que les gars là dorment sur mes lives. Sur tout ce que j'ai fait, mes audios, mes lives, ils dorment dessus. Sylvia Bongo, Noureddin, leur service de renseignement, leurs renseignements spéciaux, ils dorment là, l'heure où je parle, là, ils sont en train de regarder mon direct à la DGR. Donc quand je fais le live pour dire que c'est Bilibinze qui porte le masque, que c'est Fabrice Anjoua qui porte le masque, Brice Fargeon, tellement c'est les gamins, Brice Fargeon prend Bilibinze, il fait porter le masque à Bilibinze, ils font le tour de lui. Dans la décapotable, il a Fabrice Anjoua derrière. Parce qu'il faut répondre au live du petit Omo Damichi. Parce que j'avais dit que c'était Fabrice Anjoua qui portait le masque. Quand j'ai dit que c'est Bilibinze qui porte le masque, le lendemain, il tourne dans lui avec le faux Ali Bongo. Et Anjoua derrière, le lendemain. C'est maintenant Fabrice Anjoua qui est reçu à la présidence et c'est Bilibinze qui avait porté le masque. Mais Fabrice Anjoua est légèrement plus grand que Bilibinze. Et il est plus mince. Bilibinze est légèrement petit de taille, mais avec une plus, légèrement une forte corpulence. J'ai regardé ça, j'étais en train de rigoler. Je dis, les gars, c'est des gamins. C'est un petit exilé politique depuis sa chambrette en exil qui fait trembler ces gens-là là-bas. Où est-elle l'utilité de faire le tour de Louis avec Fabrice Anjoua dans la voiture? Les gars ont tout de suite montré qu'ils cherchaient à me répondre. Parce que le poste de Fabrice Anjoua ne lui permet pas d'être proche du président de la République. Il n'a aucune fonction à la présidence. Pourquoi chercher à mettre Fabrice Anjoua dans la décapotable à l'arrière? C'était quoi le but? Le but, c'était de répondre à un petit activiste suivi par 1200 personnes sur Facebook.
Et les gars n'ont fait que confirmer, confirmer. Ils cherchent à nous répondre à chaque fois. Parce que leur objectif, c'est de continuer à mentir au peuple. Et Brice Fargeon, il a mouillé vos activistes là. Vos activistes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Brice Fargeon, il a sorti de l'argent. Des milliards. Il y en a qui ont reçu là. Des cinquantaines de millions. Des activistes que vous voyez. Je suis le seul activiste, Maboule, crève la faim, qui se retrouve aujourd'hui avec des mois de loyer impayé parce que c'est moi qui veux toujours faire le gars qui est intègre. Les autres là ont mangé l'argent. Vous les voyez, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, vous les voyez avec des voitures. Ils ne travaillent pas en France. C'est parce qu'ils ont fait de ce combat un business et ils ont eu de l'argent. Moi, parce que j'ai décidé d'être intègre, je suis aujourd'hui un crève la faim. C'est ça. Brice Fargeon a versé de l'argent sérieusement aux activistes gabonais. Voilà pourquoi vous les voyez continuer à mentir au peuple. Ils savent qu'Ali n'est pas là. Ce n'est pas Ali qu'on montre aux Gabonais. Ils savent. Mais ils ont fait le choix de mentir au peuple. Parce que le plan de la France, le plan des ennemis de notre pays, c'est de nous mener jusqu'aux prochaines élections avec ce faux Ali Bongo. Et après venir nous imposer Nourredine. Et tous ces francs-maçons, ces commerçants, cupides, activistes, opposants, feront semblant de venir dire non, on ne veut pas de Nourredine, comme ils sont venus faire semblant de dire non, on ne veut pas d'Ali Bongo. Ils font semblant de dire non, mais ils se retrouvent dans le noir, ils sont ensemble. Ils manipulent le peuple. Mais nous, nous allons mettre fin à cette manipulation. Je vais terminer par là. C'est la partie la plus importante de ce direct. Parce que j'ai fait certaines sorties dernièrement. Et j'ai été attaqué par des gens, par des petits esprits. Comme d'habitude, hein, je suis habitué à prendre des coups. Mais là, je vais sérieusement en prendre. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Nous allons dire certaines vérités qui dérangent. Certaines vérités qui dérangent, pourquoi? Parce que les Gabonais aujourd'hui sont fanatisés. Les Gabonais sont fanatisés. Beaucoup de Gabonais manquent de discernement. Sont toujours dans la passion, dans l'émotion. N'essaient pas en fait de réfléchir, de se poser des questions pour comprendre. Moi je l'ai dit ici, il y a quelques années, que ces opposants qui ont dealé avec le régime, s'ils ne nous aident pas à faire tomber ce régime, ils paieront autant que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et nous sommes arrivés à cette période. Je ne crois pas que ces gars-là feront quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas leur objectif. Nous aider à faire tomber ce régime, ce n'est pas leur objectif. À tous les partisans de Jinping, qui croit encore que Jinping fera quelque chose pour faire tomber le régime, il faut redescendre sur terre. C'est vrai que c'est dur à comprendre, c'est dur à accepter, mais il faut redescendre sur terre. Je mène depuis des années le combat de dézombification des Gabonais, mais maintenant, je vais rentrer dans une autre phase de mon combat, celui de la défanatisation des Gabonais. Les Gabonais sont trop fanatisés. Et le fanatisme que vous, les Gabonais, pour ces hommes qui sont responsables de la destruction de notre pays, ce fanatisme-là nous empêchera de rentrer dans le Gabon nouveau. C'est un frein pour notre combat. Il faut aujourd'hui que les Gabonais soient défanatisés. Les Gabonais doivent être défanatisés. Le Gabonais voue une admiration sans limite, une admiration que je qualifierais même de dangereuse, à l'endroit des hommes qui sont responsables de la destruction de notre pays. Et nous devons arrêter avec. Bientôt, nous allons rentrer dans le Gabon nouveau. Nous ne rentrerons pas avec ceux qui ont du sang des Gabonais dans leurs mains, dans le Gabon nouveau. Ils n'y rentreront pas. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes d'église et autres, ils n'y rentreront pas.
Ce n'est pas pour rien que Dieu n'a pas voulu qu'en 2016, nous puissions accéder directement au pouvoir, parce que nous serons allés au pouvoir avec des gens comme des maisons. Nous serons rentrés au pouvoir avec des manipulateurs comme Jean-Ping. Nous serons allés au pouvoir avec des voleurs comme des criminels, comme Nzuba, comme Casimir Oyemba. Nous serons rentrés dans un autre Gabon avec tous ces criminels, ces assassins, ces francs-maçons. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu ça. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Et il veut que nous puissions rentrer dans le Gabon nouveau avec des hommes qui le méritent. J'ai fait des publications récemment sur Bertrand Zibi Abegle. Il y a des Gabonais ici qui savent que j'ai souvent défendu Bertrand Zibi. J'ai demandé à ce qu'il soit libéré parce qu'il est emprisonné pour une raison fallacieuse. C'est pour une fausse raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne mérite pas la prison parce qu'il paiera pour ses crimes. J'ai fait une publication là-dessus, j'ai été attaqué par des petits esprits. Quand je dénonce Jean-Ping, Mike Joktan, Barreau Chambrier, quand je dénonce les hommes politiques du G2, je dénonce les hommes politiques Pounou, Manga, Moussavou, Ben Moubamba qui a détruit sa carrière politique, qui est un homme, mais ô combien brillant. Quand je dénonce tous ces... Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct, s'il vous plaît. Ils ont commencé, les petits esprits ont commencé à signaler mon live. S'il te plaît, Youssef est là. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Ils ont commencé à me signaler le direct. C'est la partie là qu'ils attendaient pour signaler. S'il vous plaît, pardon. Willy. Mettez-moi, bourrez-moi des cœurs et des pouces sur le live. C'est la partie du live là qu'ils attendaient pour signaler. Voilà. Ils sont là sur le live, en train de signaler le live. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Ils ont commencé à mettre des têtes de mort. Poupée, bourrez-moi le direct là des cœurs. Mettez ça fatigué. Et merci de continuer à partager. Continuez à partager. J'espère que demain, M. Mengare est très bien préparé parce que je sens que le live de demain va être très attaqué. Je vous ai dit que vous êtes tombé sur la mauvaise génération. Quand je disais ça, ce n'était pas seulement adressé aux pédégistes. Cette phrase est profonde. Vous êtes tombé sur la mauvaise génération. Et je vous ai aussi dit que je suis un instrument divin. Je suis un instrument de Dieu. Je ne fais pas semblant le combat là. Je ne suis pas venu ici pour des intérêts ou quoi, non. Je suis venu servir la vérité. La vérité fait mal, mais c'est un mal pour un grand bien. La dézombification et la défanatisation sont des processus très douloureux. Mais c'est très important pour sortir certains compatriotes de l'obscurantisme. Vous allez souffrir d'entendre la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Souffrez d'écouter la vérité. Ne commencez pas à me signaler le live. Donc je disais tantôt que quand je dénonce des leaders politiques, Alto Gouvea, Mienne, Pounou, Nzebi et autres, je ne suis pas tribaliste. J'ai vu mon petit frère Barack Obama avoir des propos condescendants à l'endroit de ma personne, mais bon, c'est pas bien grave. Je ne suis plus la même personne qui répondait à l'injure par l'injure. Je refuse. Je l'ai dit au début de cette année que chaque année, je demande à Dieu de faire de moi une nouvelle personne. Je veux être en 2022. Je ne veux être en 2022 celui que j'ai été en 2021. Ceux qui me suivent savent combien de fois j'ai appelé ici à la libération. J'ai exigé la libération de mon jeune frère Barack Obama et beaucoup de nos prisonniers politiques, notamment de Bertrand Zibi. Mais je suis obligé de dire la vérité. J'ai vu certains là commencer à me parler de tribalisme parce que j'ai parlé des crimes de sang de Bertrand Zibi. Je dis bien, j'ai lu la lettre sortie récemment, la lettre attribuée à Bertrand Zibi qui en réalité a été écrite par Marconnet et Sangui avec la complicité du régime terroriste en place. Ne faites pas insulte à nos intelligences. Nous ne sommes pas des idiots. Je vous ai dit, vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Marconnet et Sangui est un agent double. Un agent au service du pouvoir tyrannique Bongo PDG, tapis aujourd'hui dans la société civile. C'est un fait mal. En 2016, lors des élections présidentielles, je crois c'est sur Africa 24, que cet homme est parti parler de partage du gâteau.
J'ai la ferme conviction qu'il n'a pas sorti ce terme à la volée. Il a fait exprès de dire qu'ils vont procéder au partage du gâteau. Il a fait exprès. Parce que Marc-Olé Sangui est un proche de Liban Souleymane. Liban Souleymane qui était l'amant du défunt Ali Bongo. Parce qu'ils couchaient ensemble. Vu que nous sommes dans une république sodomite. Marc-Olé Sangui en 2016 quand il parle du partage du gâteau. Mais c'est une expression qui a été utilisée par le pouvoir pour combattre l'opposition. Et c'est une expression qu'on lui a demandé de dire, que son ami Liban lui a demandé de dire lors de son passage sur Africa 24. Parce que ça ne fait pas sérieux qu'un leader de l'opposition, de la société civile, puisse parler de partage du gâteau quand un peuple est en train de se battre pour sa souveraineté, pour sa libération. Marc-Olé Sangui est un agent double, un agent au service du pouvoir. Et vous constaterez que cet homme, il a plusieurs prisonniers politiques au Gabon, mais cet homme ne parle que de Bertrand Zimi. Comme s'il n'existait pas d'autres prisonniers politiques. Pourtant, c'est le leader de la société civile. Mais il ne parle que de Bertrand Zimi, qui est lui-même un agent du pouvoir en place. Vous souffrirez d'écouter la vérité. Je sais que ça fait mal. J'ai vu certains compatriotes me dire, mais au moins la Winche, mais pourquoi tu parles de Bertrand Zimi? Tu ne parles pas de Jean Ping, qui était dans le régime, tu ne parles pas de tel. Mais vous êtes malade, parce que j'ai toujours dénoncé Jean Ping. Ça m'a valu les attaques des pingistes sur les réseaux sociaux ici. J'ai perdu plusieurs comptes, pas seulement à cause des attaques des pédagistes, mais à cause des attaques des pingistes. Ce n'est pas moi, mon ami, que vous allez venir dire que je n'ai jamais dénoncé Jean-Ping, vous mentez. Vous ne vous concentrez, vous ne remarquez que ce que vous voulez en fait. Parce que j'ai dénoncé Jean-Ping ici, plusieurs fois. J'ai dénoncé Fefe Onanga. Vous ne m'avez jamais traité de tribaliste. Donc ces petits manipulateurs qui pensent que moi, vous pouvez m'atteindre en ayant recours à la fibre ethnique, à l'ethnicité, au tribalisme ou je ne sais pas trop quoi. Ceux qui croient pouvoir m'empêcher de parler en parlant de tribalisme, vous êtes des mentors, je continuerai à dénoncer. Si je vais dénoncer un leader mienne, je dénonce. Je vais dénoncer un leader fond, je le fais. Vous ne pourrez jamais m'arrêter. Nous avons beaucoup de pélégistes devenus opposants. Nous avons des pélégistes au pouvoir. Tous les pélégistes qui sont au pouvoir ne sont pas responsables de crimes de sang. Ils sont sans doute responsables des maux qui minent notre pays, de la gestion du pays, parce que le pays est dirigé par le PDG. Mais tous les pélégistes n'ont pas dans leurs mains des crimes de sang. Je parle, quand je fais la publication par rapport à Zimi, je parle de crimes de sang. Bertrand Zimi a participé à l'assassinat de Mboulou Mbeka en 2014. Et pour ça, il payera. On veut aujourd'hui nous vendre Bertrand Zimi comme un Nelson Mandela. D'ailleurs, que je vous l'ai dit ici, Nelson Mandela n'est pas un modèle. Nelson Mandela était un traître au service de l'Occident. Et c'est la même chose qu'ils veulent faire aujourd'hui avec Bertrand Zimi. On veut nous vendre Zimi comme un modèle, comme un héros. Zimi n'est pas un héros, c'est un criminel, c'est un terroriste. Il a le sang des centaines de Gabonais sur ses mains. Et il paiera pour ses crimes. Maintenant, ceux qui me disent, pourquoi tu ne parles pas de Zimi, tu ne parles pas de tel. Je n'ai pas le monopole de la dénonciation au Gabon. Faites des publications si vous êtes au courant des crimes, par exemple, de Jean Ping, ou d'autres personnes, vous pouvez faire des publications, moi je vais relayer. Donc vous n'allez pas moi me dicter ce que je dois dire. Vos dictatures de la pensée, vous le ferez avec d'autres personnes. Zimi a fait partie des capistes dans notre pays. Les anciens, vous avez le devoir de dire la vérité aux jeunes générations. J'ai vu un bouffon me dire, mais oui, qu'est-ce que tu as avec Zimi? Le pauvre homme a déjà fait 6 ans de prison. 6 ans de prison, c'est rien par rapport au crime qu'il a commis. 6 ans de prison, c'est rien. Nous demandons la perpétuité pour ce jeune homme qui vient d'assassiner sa copine et ses 2 enfants. Ce n'est pas Zimi qui a assassiné des centaines de Gabonais qui va prendre moins que ce jeune homme. 6 ans de prison, c'est rien pour Zimi. Ce que je dis aujourd'hui, j'ai voulu le dire depuis. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais ça va fragiliser l'opposition. À cette période, je me suis dit bon, d'accord. Ils ont peut-être raison. Mais je vous dis qu'on arrive à une période
où on ne peut plus mentir au peuple, où on ne peut plus faire semblant, où on ne peut plus couvrir certaines choses. Nous sommes arrivés à une période où il faudra dénoncer tous ces hommes politiques, anciens opposants, faux opposants, néo-opposants, opposants pélagistes. Il est arrivé maintenant le temps où nous devons dire la vérité au peuple. Nous ne devons plus laisser ces manipulateurs venir prendre le leadership de l'opposition. En 93, ce régime pédosataniste nous a fabriqué Mbabe Solo comme leader de l'opposition. Quand nous avions des papas comme Luc Bengonsi qui ont été effacés, comme les Agondio Kawe et autres, le pouvoir en place est venu nous fabriquer un faux opposant en la personne de Mbabe Solo. On nous a fabriqué encore un faux opposant en 2009 avec Amo. Les Gabonais, nous avions des vrais opposants. Encore comme Luc Bengonsi, que nous avons mis de côté. Les Gabonais sont allés soutenir un ancien pédégiste qui a massacré les Gabonais quand il était ministre de l'Intérieur, qui a passé le temps pour chasser les opposants. En 2016, les leaders de la coalition étaient tous des pédégistes, des gens qui ont participé à piller le pays. Ça a été encore une fabrication du régime en place. Jean Ping, Casimir Oyemba, Mimoto, tous ces gars ont participé à détruire le Gabon. Ils ont fait semblant de nous faire croire qu'ils allaient nous mener à l'alternance. Mais il n'y a rien eu. Et ils n'ont opposé aucune véritable résistance. Parce que tous ces hommes-là sont des milliardaires. S'ils veulent faire tomber ce régime, ils le font tomber. Ils n'ont jamais voulu faire tomber ce régime. Ils nous ont menti pendant des années. Ça va faire mal à certaines personnes. Mais vous devez comprendre. Vous devez faire face à la réalité aujourd'hui. Nous devons maintenant nous réveiller. Regarder autour de nos hommes politiques. Choisir un homme politique digne de représenter notre combat pour l'alternance, pour la libération du Gabon. Nous devons regarder parmi nos hommes politiques et ne plus regarder derrière des anciens francs-maçons, anciens pédégistes, parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils ne font rien avec cet argent pour subventionner une révolte pour libérer le pays. Nous avons appelé plusieurs fois à une aide financière pour des actions sur le terrain. Jean Ping n'a rien donné. Jean Ping n'a rien donné. Il n'a rien donné parce qu'il ne veut pas que ce régime tombe. Il n'a aucun intérêt à voir ce régime tomber. À tous mes frères pingistes, les John Kosa et autres, les gars, réveillez-vous, les gars. Je sais que ça fait mal. La vérité fait mal. La vérité fait mal, mais elle fait du bien. C'est dur à accepter. Mais la vérité fait du bien. Jean Ping ne veut pas que le Gabon se libère. Je vous ai dit ici que le combat de Jean Ping s'est arrêté en 2018. Après la mort d'Ali Bongo, Jean Ping s'est totalement arrêté. Bon, comme il suit aussi mes directs, il fera semblant encore d'aller publier des photos où il est avec des vieux, des vieux chefs du quartier, il va aller publier des photos. Tout ça pour continuer à manipuler le peuple. Ça fait mal. Ça fait mal. Je sais. Beaucoup auront du mal à se réveiller, mais c'est la réalité. Maintenant, nous devons rentrer dans une nouvelle dimension. Nous ne devons soutenir au Gabon que des leaders politiques qui ont un discours véritable contre l'impérialisme. Dans sa lettre, Bertrand Zibi, comme toujours, fait allégeance à la France, aux États-Unis. Mais vous attendez quoi de quelqu'un comme ça? Vous attendez quoi de ces leaders qui font allégeance à ceux qui sont responsables de vos malheurs? J'ai vu certains là, ils ont été nombreux là à faire des lives quand Mona Vinci a parlé des crimes de Zibi, ils ont été nombreux à faire des lives, des publications, beaucoup m'ont balancé des pamphlets et autres, et j'ai vu certains m'injurier, mais c'est pas grave, moi je suis focus, je rigole beaucoup quand je vois tout ça, je vois les enfants s'agiter, je rigole. Ma mission est d'éveiller les consciences des Gabonais, ma mission est de dire la vérité.
Bertrand Zibi est responsable de nombreux massacres au Gabon. Il a participé au massacre de 93. Il le dit lui-même dans son discours du 23 juillet 2016 à Bolosoville. Mais parce que nous sommes un peuple émotif, parce que nous manquons de discernement, parce que nous aimons le sensationnel, nous n'avons retenu que la partie de la démission de Zibi. Mais dans son discours, Zibi s'adresse aux amis d'Ali Bongo qui lui empêchent de mettre en place son business de vente de véhicules, qui empêchent qu'il ait une certaine ascension sociale, qui lui empêchent d'approcher son ami Ali Bongo avec qui il a fait les 400 coups. Dans le discours du 23 juillet 2016, Bertrand Zibi dit bien aux Gabonais que moi, j'ai participé à tuer les Gabonais qui avaient soif d'alternance pour maintenir le régime Bongo au pouvoir. Il s'adresse aux amis d'Ali Bongo, Ali Ban Suleiman, à Mexan, à Kromessi. Bertrand Zibi dit bien qu'il a géré les caps. Et vous, nos papas, nos mamans, vous qui venez m'injurier, vous qui me dites non, Zibi, machin, ceci, tu n'as pas le droit de dire. Non, les gars. Hey, vous savez ce qu'étaient les capistes, ce qu'ont fait les capistes? Vous savez, ils sont responsables des massacres dans notre pays. C'était une organisation qui avait pour but de terroriser le peuple afin de lui empêcher d'organiser une quelconque insurrection populaire. Il fallait terroriser les Gabonais. Ces gars-là étaient derrière des viols, derrière des massacres. Zibi était à la tête du mouvement des CAP. Il a été formé par le terroriste Ali Bongo, formé par le terroriste André Baobab, formé par le terroriste Ngonga Ono. Il avait pour complice Ernest Mpou et Piga. Et Ngoulakia, pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Je vous ai dit que Zibi n'est pas héros. Et moi, je vais continuer à le dire. Nous avons des vrais héros dans notre prison. Il s'appelle Jean Bosco Bungumu Boulanga de la loi Tiwano. Voici un vrai héros de notre pays. Mais bon, comme il n'est pas de la bonne ethnie, on ne parle pas beaucoup de lui. C'est un leader syndical qui a fait plusieurs fois la prison, qui n'a jamais dealé avec le pouvoir, qui n'a pas le sang des Gabonais dans ses mains. Il est là en prison, les Gabonais ne le connaissent pas. Je suis l'un des rares activistes qui parlent de lui. On ne nous parle pas de cet homme, on nous parle de Bertrand Zibi. Zibi a participé, il le dit lui-même. Il a participé au massacre à Port-Gentil en 2009 pour placer son ami, son parrain Ali Bongo au pouvoir. Il a participé au massacre, à l'assassinat de Mouloubeka en 2014. Je vais vous passer un petit passage là de Zibi lui-même. N'oubliez pas demain, ce dimanche 26 juin 2022 à 19h, je serai sur la page du BDP de monsieur, du docteur Mendara. Nous allons parler de l'actualité du pays. La jeunesse gabonaise à travers ma voix va s'exprimer. Ok, je vais vous passer un extrait du discours de Bertrand Zibi. Merci s'il vous plaît de partager le direct. Il y a, voilà un compte Facebook du pouvoir en place, Max Oyer, un posteur. Ils sont en train de fabriquer Bertrand Zibi pour venir être le leader de l'opposition. Voilà, un faux compte Facebook du pouvoir en place. Faux compte Facebook. Fac, Max Oyer. Ils sont en train de fabriquer Bertrand Zibi pour être le leader de l'opposition qui va vous mener encore aux prochaines élections présidentielles.
pour aller légitimer le régime Bongo au PDG. Ces gens-là fabriquent les opposants. Tous ces opposants que vous voyez à chaque élection, tous ceux que vous voyez comme leaders de l'opposition à chaque élection, sont des fabrications du pouvoir en place. Ils ont longtemps manipulé nos pères et nos mères, mais nous, ils ne nous manipuleront pas. La famille, j'ai appris de ce combat. L'exil m'a enseigné. J'ai compris comment fonctionne ce monde, comment fonctionnent ces criminels qui sont à la tête du Gabon. Ils sont en train de nous fabriquer les futurs faux leaders de l'opposition, les Brice Farjon, Bertrand Zibi et autres. Vous regardez qu'on ne parle que dans la presse. On ne parle pas des vrais Gabonais combattants qui sont en prison, comme Merlet est là. On ne parle pas de ces vrais Gabonais comme Gérald Agaïa qui sont emprisonnés parce qu'ils ont décidé de se battre pour le Gabon. On parle tous les jours de Brice Farjon et de Bertrand Zibi. Il n'y a que les deux prisonniers là dont on parle. Parce que ce sont les pions du pouvoir. Vous allez manipuler qui vous voulez. Vous ne nous manipulerez pas. C'est faux. Bertrand Zibi est en danger de mort, il a machin, tout ça. Ça ne passe plus, ça. C'est terminé. Et même s'il est en danger de mort, il ne fait que payer. Il ne fait que payer ce qu'il a, pour ce qu'il a, il a commis comme acte. Ce qu'il vit aujourd'hui en prison, c'est rien comparé aux tortures qu'il a infligées aux Gabonais. Il a participé à tuer les Gabonais. Vous allez souffrir de l'entendre. Vous allez souffrir de l'entendre. Vous allez manipuler qui vous voulez, vous ne nous manipulerez pas. Zibi, c'est un coulementiste, un terroriste. Avec André Mba Obama, avec Ali Bongo, ils ont participé à massacrer les Gabonais. Tuer les opposants politiques. Voici la partie du discours de Bolossoville du 23 juillet 2016 de Bertrand Zibi que les Gabonais n'ont pas retenu. Je vais vous passer cet extrait. Les comités d'action politique. C'est comme ça qu'ils appelaient leur organisation terroriste. Comité d'action politique. Au début des années 90, Bertrand Zibi était pour Omar Bongo ce que Hoffman, le voyou des PK de Opianga, était pour Ali Bongo. Hoffman, comme vous voyez, Hoffman de Pékin, il a tué des gens, torturé des opposants, des activistes. C'est Hoffman aujourd'hui qui est emprisonné. Bertrand Zibi a fait ce travail au Gabon. Vous n'allez pas nous empêcher d'en parler. Vous êtes des menteurs. Merci de me mettre des cœurs et des pouces sur le live. Il y a des couillons qui sont en train de mettre des têtes des morts. Je vais vous bloquer à la fin du live. Les CAP, Comité d'Action Politique, voici comment ils appelaient leur organisation terroriste. Il y en a qui viennent me dire, oui, mais pourquoi tu ne parles pas de tel? Parlez des autres. Je parle de Bertrand Zibi. Je parle de qui je veux, quand je veux. Vous ne me dirigez pas. Je dis tous ces anciens pédégistes devenus opposants, tous n'ont pas de crimes de sang dans leurs mains. Zibi, c'est un terroriste. Et nous allons dire la vérité au peuple pour que les Gabonais demain ne se laissent pas manipuler, pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Beaucoup de Gabonais ont suivi bêtement des gens comme les André Mba Obama, un autre terroriste, parce qu'ils n'étaient pas informés, parce qu'ils se sont laissés manipuler. Aujourd'hui, nous allons dire la vérité au peuple. Que ça vous plaise ou non, je ne suis pas là pour vos beaux yeux. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Je ne cherche pas à me faire aimer. D'ailleurs, personne n'aime la vérité. J'ai appris à vos côtés. J'ai été fidèle et loyal.
ai toujours dit la vérité, rien que la vérité. En 2009, eût été votre sang-froid. Vous savez ce que nous avons fait pour préserver la paix dans ce pays. Et oui, le Gabon était au bord du chaos. Il a fallu de vous, Ali Bongo Ondimba, Bertrand Zili Abébé, Ernest Nkoubou Ekiga, Léon Paul Kouladia et Paul Biyogemba, nous nous battions les coudes serrés pendant une semaine pour que ce pays ne sombre pas dans le chaos. Oui, j'ai été là. Et nous avons fait ce qui devait être fait. Et aujourd'hui, le Gabon est en paix. Alors, nous applaudissons. Sachez que il y a des gens de l'ombre. Alors, aux apprentis sorciers, sachez que il y a des gens de l'ombre qui n'ont pas besoin de s'extérioriser. Le 20 décembre 2014. On va d'abord arrêter là. Est-ce que vous avez saisi la profondeur des paroles de Zibi? Déjà, quand il dit aux apprentis sorciers, il s'adresse à Kombesi, il s'adresse à Liban Suleiman, il s'adresse à tous ceux qui sont autour d'Ali. Il dit aux apprentis sorciers, sachez qu'il y a des éléments de l'ombre. Il dit en 2009, le Gabon était au bord du chaos. Qu'est-ce qu'il appelle chaos? C'est l'alternance politique. C'est la chute du régime. Voilà ce que Zibi appelle le chaos au Gabon. Le Gabon était au bord du chaos. Idi Ngoula Kia, lui, Paul Biyogemba, ils ont fait ce qui devait être fait. Ce qui devait être fait, c'est massacrer des cinquantaines de Gabonais à Port-Gentil, où il y a eu la révolte. Ils ont fait ce qui devait être fait pour qu'il y ait la paix au Gabon. Donc, l'alternance politique est synonyme de chaos pour Bertrand Zibi. Il joue avec les mots. Mais il faut être un grand esprit pour comprendre ce que dit Zibi. Quand on est bête, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Quand on est fanatisé, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Il dit que le Gabon était au bord du chaos en 2009. Donc l'alternance politique pour Bertrand Zibi, le néo héros des Gabonais, l'alternance politique veut dire le chaos. Le discours de Bertrand Zibi n'est pas motivé par une soif d'alternance politique ou de libération de notre pays. Il exprime sa frustration. Bertrand Zibi, à l'époque, voulait mettre en place un business de vente de véhicules. Et à Kromessi, Liban Suleiman se sont opposés. Non seulement ça, il a participé à massacrer les Gabonais depuis le début des années 90 pour maintenir le régime Bongo au pouvoir. Des gens comme Ngonga Ono, André Mbaoba et autres ont connu une très grande carrière politique, mais pas lui. C'est la raison pour laquelle il a décidé de démissionner ce 23 juillet 2016 à Bolsonville. Sa démission n'est nullement un acte patriote. Vous allez souffrir d'entendre la vérité. Vous êtes tombé sur la mauvaise génération. Non, nous ne sommes pas de ces Gabonais que vous allez manipuler. Je refuse qu'on nous place encore à la tête de l'opposition gabonaise des hommes qui ne sont là que pour maintenir le régime Bongo au pouvoir. Nous allons prendre même un jeune Gabonais étudiant, un jeune Gabonais sorti de, je ne sais pas, un jeune Gabonais commerçant, un jeune Gabonais qui n'a jamais flirté avec le pouvoir. Nous allons l'élever au niveau d'un Sonko, comme au Sénégal. Mais un jeune Gabonais qui se bat contre l'impérialisme, qui se bat contre le franc CFA, les bases militaires d'occupation, les contrats coloniaux. On a besoin d'un panafricain, d'un combattant africain. Pas d'un homme politique qui viendra pour servir les intérêts de la France ou du régime en place. Nous n'en voulons plus. Les gars, il faut qu'on se réveille. La jeunesse gabonaise doit se réveiller comme la jeunesse malienne, sénégalaise, tchadienne, centrafricaine. Les gars, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête avec le fanatisme. Mon petit Barack Obama, je sais que tu me regardes en cachette parce que vous me suivez tous.
Toi qui fais semblant de dire c'est qui, au moins la Vinci et tout ça, vous me suivez tous autant que vous êtes. Tu dois comprendre, mon petit. On a besoin maintenant chez nous au Gabon des leaders politiques, de la trempe de blé boudé que tu supportes. Bertrand Zibi n'est pas un modèle. Genre le Niamoro, le Niamoro. Ce n'est pas un modèle, c'est un criminel. Et il payera pour ses crimes. Vous allez souffrir d'entendre la vérité. Ça fait mal, mais vous allez souffrir de l'entendre. Merci de partager le live pour ceux qui ne l'ont pas fait. On doit atteindre les 300, 400 partages après le direct. C'est pas terminé. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous prenez conscience de la puissance de ces paroles? Oui. Le 20 décembre 2014, j'étais dans l'hélicoptère. L'histoire retiendra que Guy Bertrand Mapangu, que Ernest Mpoepiga, que Bertrand Zibi Abegue ont dû batailler dur. Très dur, pour faire reculer nos frères et nos sœurs qui étaient déterminés à faire tomber le régime. Est-ce que quelqu'un saisit la puissance de ces paroles? Est-ce qu'il y a un mouton ethnocentrique ici? Un champion, Maboule, du repli identitaire, qui voit le tribalisme partout? Quand moi, on essaie d'ouvrir les yeux, on parle de tribalisme. Est-ce que vous écoutez les paroles de celui qui est votre héros aujourd'hui? Ce terroriste qui est votre héros. L'histoire retiendra. Et il le dit lui-même. L'histoire retiendra que Guy Bertrand Mapangu, que Ernest Mpoepiga, que Bertrand Zibi Abegue ont bataillé dur pour faire reculer les Gabonais qui voulaient faire tomber le régime. Nous sommes le 20 décembre 2014. Des Gabonais descendent dans la rue pour contester la frauduleuse candidature du défunt terroriste Ali Bongo. L'escadron de la mort descend dans la rue. À travers l'hélicoptère, ils essaient de voir où sont positionnés, comment sont positionnés les Gabonais, là où ils doivent frapper. Le jeune étudiant de 30 ans, Bertrand Mouloubeka, a été frappé en pleine tête. Ils ont fait exploser sa tête. Et Bertrand Zibi Abegue dirigeait les opérations. J'ai partagé une vidéo de ce témoignage de Bertrand Zibi Abegue, et comme toujours, les maboules sont venus dire, mais où est la partie où Bertrand Zibi avoue avoir tué Mouloubeka? Nous devons démoutoniser les Gabonais, démabouliser, défanatiser les Gabonais, parce que c'est trop. Écoutez un discours pareil, ce que les Gabonais ont retenu, ce qu'on nous a vendu. C'est Bertrand Zibi a démissionné devant Ali Bongo, il a humilié Ali Bongo. Voilà ce qu'on a vendu aux Gabonais. Bertrand Zibi a humilié. Oh vraiment, c'est un homme à une femme. À une femme, oh, il a humilié Ali Bongo. C'est tout ce qu'on nous a vendu. Manipulation des intelligences. L'heure est venue de dire la vérité au peuple. L'heure est venue pour nous d'avoir des leaders de l'opposition qui se battent avec sincérité pour la libération de ce pays. Nous ne pouvons plus continuer à laisser des cancres, des terroristes, des francs-maçons, des criminels à la tête de nos mouvements
de libération. Vous allez m'insulter, comme d'habitude. Vous allez me traiter de tribaliste, vous direz tout ce que vous voulez. Vous ne m'empêcherez pas de dire la vérité aux Gabonais. Bertrand Zuby n'est pas un adversaire politique, je ne fais pas de politique. Je n'ai pour l'instant aucune ambition politique. Après demain, il faudra bien que je puisse m'investir en politique parce que nous ne pouvons pas continuer à être dans une posture où on est toujours en train de contester. Il faut qu'on puisse apporter notre idéologie, venir avec notre idéologie au sommet de l'appareil étatique pour que notre pays puisse bien fonctionner. Mais je n'ai aucune ambition politique et Dieu seul sait que je ne prêche pour aucun homme politique. Je ne soutiens aucun homme politique. Aujourd'hui, si je devais soutenir un homme politique, ce serait M. Luc Benghonsi, parce que je partage la même vision que cet homme. C'est le seul homme politique aujourd'hui qui dénonce ouvertement la France, qui dénonce les ingérences occidentales, qui dénonce le pillage des bongos et autres. Qui, en fait, sa vision cadre totalement avec ma vision, avec mon idéologie. C'est le seul homme politique. Malheureusement, il a un âge avancé aujourd'hui. Il a fait sa part. Il est arrivé un peu trop tôt. Il a eu une très grande longueur d'avance par rapport à nous. Voilà. Donc du coup, nous au Gabon, on a porté beaucoup plus de soutien, de crédibilité à des hommes qui ont participé à piller le pays, qui sont les anciens francs-maçons parce que ce sont des milliardaires. Au Gabon, quand on a un vrai homme politique qui est sincère, qui a un discours sincère, qui se bat avec sincérité, on ne le soutient pas parce qu'il n'a pas l'argent. Le Gabonais, il va dans les meetings, il va écouter les hommes politiques en espérant avoir une bière, une régame et tout ça. Mais nous allons combattre cette mauvaise mentalité, cette mauvaise manière de faire. Nous allons donner aujourd'hui de la valeur à des hommes politiques qui le méritent. Mais je vous dis la vérité, la famille, si vous voyez des hommes politiques en l'état actuel de notre pays, dans la situation actuelle de notre pays, si vous avez des hommes, des leaders qui se disent de l'opposition, qui ne dénoncent pas le franc CFA, cette monnaie de servitude, qui ne dénoncent pas la politique terroriste, criminelle occidentale, ne suivez pas ces hommes, ce sont des menteurs. Ne les suivez pas. Aujourd'hui, nous avons besoin de leaders politiques comme Ousmane Sonko du Sénégal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, abonnez-vous à sa page, faites des recherches sur l'homme. Et puis essayez de regarder dans le paysage politique de notre pays un homme politique qui a une vision similaire à la sienne. Il nous faut aujourd'hui des hommes politiques qui ont une vision africaine, qui combattent l'impérialisme. Parce que l'impérialisme est le mal de l'Afrique. Le mal du Gabon aujourd'hui, c'est la France. C'est vrai, nous avons les bongos à la tête de notre pays, mais les hommes politiques qui vous font croire que le seul problème du Gabon, ce sont les bongos, ce sont les menteurs. Si un homme politique vous fait croire que le seul problème du Gabon, c'est le PDG, c'est les bongos, c'est un menteur. Parce que eux, ce ne sont que des valets de l'Élysée. Le vrai problème, c'est l'Élysée. Et aujourd'hui, toute l'Afrique doit se battre contre la France. Si nous nous levons tous comme les Maliens, si nous nous levons au Gabon, nous nous levons au Cameroun, au Bénin, au Togo, partout. Si nous nous levons contre cette France, nous finirons par faire tomber la France. Et à partir de là, nous pourrons mettre à la tête de nos pays des hommes que nous voulons à la tête de notre pays. C'est l'Élysée qui choisit nos présidents, dans leur milieu franc-maçon. Parce que ces dirigeants africains franc-maçons font allégeance à la France. Le siège de leur franc-maçonnerie, c'est la France. Avant la cérémonie de prestation de serment du président de la République au Gabon, là. Avant la cérémonie, la journée, les gars font d'abord la cérémonie dans le milieu franc-maçon. Ce qu'ils viennent faire maintenant la journée, là, c'est le cinéma. Voilà pourquoi vous allez voir même que certains dans la salle sont en train de dormir. Ils ont d'abord fait ça d'abord la nuit dans leur milieu franc-maçon. Nous devons combattre la France. Nous avons besoin aujourd'hui des leaders africains qui combattent la France. Quand vous voyez M. Sonko au Sénégal, il n'est pas franc-maçon. Sinon, les gars l'auraient anéanti depuis. Et que Dieu protège ce jeune homme. Et ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est son peuple. Donnons de la valeur aux hommes intègres. Stoppons le fanatisme. Je vais vous partager un dernier extrait d'un discours de Bertrand Zuby. Merci de partager le direct et merci de vous abonner sur la page de la vérité. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Ne vous fatiguez pas de mettre des cœurs et des pouces. Sécurisez le direct. Oh. Les maboules, allez-y faire les lives sur vos pages. Hein.
Comme j'ai vu une maboule là qui a voulu faire un live, j'ai dit que ma chère, si tu t'amuses, parce qu'il y en a, il y en a qui ont trop pris la confiance. Comme au moins la Vichy, il ne répond plus aux attaques là. Je vais faire le live, je vais l'insulter. Tu as fait deux lives. Je sais que tu es là. Tu as fait deux lives, je vais te regarder. Tu t'amuses à faire des lives encore sur moi, ma chère. Je vais te descendre. Je rigole pas. J'ai décidé de changer, de ne plus répondre n'importe comment aux attaques. Parce que je sais qu'il y a des papas, des mamans qui me suivent et autres. Et parce qu'il faut qu'on reste concentré dans le combat. Mais ne prenez pas mon silence pour le maboulisme. J'ai fait des lives pour dénoncer Jean Ping, tous les hommes politiques là. Tu n'es pas allé faire un live là-bas pour dire... Oh, quand j'ai fait même les lives pour dénoncer Jean Ping, tu partageais avec le goût. Mais quand je viens de dénoncer Zibi maintenant, oh le tribalisme. Tu t'amuses à faire encore un live. Ma chère, je vais te déshabiller sur Facebook. Ta page là, tu m'as fait. Tu sais que je m'adresse à toi. Tu es là sur ma page. Vous me suivez avec vos avatars. Tu t'amuses. Moi, je joue pas. C'est pas ce que on follow et l'autre là t'en fait. Tu t'amuses. Je te descends sur Facebook. Tu as fait deux lives. J'ai rigolé avec toi. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas regardé ça. Même une seconde jusqu'aujourd'hui. On m'a dit que Claire Numa l'antenne était insultée. J'ai regardé. Fais un live là-bas. Tu sur moi. Tu sauras. On essaie d'éclairer le peuple. Vous êtes en train de faire dans le repli identitaire. Vous continuez à mentir aux Gabonais, à manipuler les Gabonais. Donc tous les vrais hommes politiques, dont M. Luc Bengonsi, il n'a pas le droit d'avoir votre soutien. On a des vrais, le pire c'est qu'on a des vrais hommes politiques moisants, même Dr Mengara. C'est moisant, non? On a les vrais hommes politiques et quand? Et les vrais enfants et quand? N'ont jamais eu le soutien des moisans. Quelqu'un comme Grégory Nguaminsa, c'était un écran. Il n'avait pas le soutien des moisans. Mais c'est toujours les maudits, les vendus, les criminels. C'est eux qui sont soutenus dans la communauté écran. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? Les vrais enfants font. Les vrais opposants, les hommes politiques moisans font. Ne sont pas soutenus. Voilà M. Mengara qui fait parfois des lives avec des messages importants. Il y a à peine 50 personnes qui vont regarder. Il n'a pas le soutien de la communauté. M. Luc Bengonsi, un écran, l'un des hommes les plus intègres du Gabon. Aujourd'hui, on insulte, on passe autant à insulter les francs. Oh, les francs sont les traîtres, les francs sont les traîtres. Quand au moins la Vinci aussi parle de Luc Bengonsi, là, il ne me traite pas de tribaliste. Voici l'homme politique. L'homme politique le plus intègre de notre pays. Il n'a pas le soutien de la communauté moisan. C'est les Bertrand Zibi, les criminels comme ça que vous soutenez. Dès qu'on parle d'eux, allez, vous sortez vos griffes. L'un des hommes politiques les plus intègres. Luc Bengonsi, il n'a pas votre soutien. Il a le soutien du tribaliste au moins la Vichy. Les raccourcis, les gens bêtes, les gens limités mentalement. Dès qu'on dit quelque chose, ils prennent les raccourcis. Ils font maintenant comme les juifs. C'est la nouvelle stratégie des juifs aujourd'hui, hein, les juifs. Quand vous dénoncez les crimes d'un juif, on vous dit directement que c'est de l'antisémitisme. Les gars prennent le raccourci. Donc on dénonce, quand un juif est criminel, on dénonce ses crimes. Oh, c'est de l'antisémitisme. C'est maintenant ce que mes frères, moi, font sur les réseaux sociaux. Dès que j'ai dénoncé un pharaon, il est tribaliste. Je dois juste dénoncer les miennes, les pounous, les bilopes. Je ne dois pas dénoncer les leaders bandits qui sont enfants. Vous savez qui vous manipulez comme ça? Pas moi. Donc il n'y a que les femmes qui doivent dénoncer les femmes. Les bilopes, nous, on ne doit pas parler. Les femmes, eux, ils ont le droit de dénoncer les bilopes. Vous ne parlez pas. Ça, c'est quoi? La dictature? En tout cas, ça ne marche pas avec moi, mais le mot, il y a dit, je parle de qui je veux quand je veux. Je vais vous partager un dernier extrait de Bertrand Zibi avec une intervention de Monsieur Mengara.
Je vous rappelle encore la famille, ce dimanche 26 juin, je serai sur la page de M. Mengara. Ce dimanche 26 juin à 19h, heure du Gabon, 20h, heure de Paris, 14h, heure de New York. Je serai en live sur la page du BDP. Je porterai la voix du peuple. Nous allons parler des actions à venir, parler de l'actualité, parler de la défanatisation des Gabonais, parler de la manipulation de ces hommes politiques, ces voyous tapis dans l'opposition. On voit aujourd'hui des hommes politiques comme les Barreaux Chambrier, les Barreaux Chambrier, Mike Joktan qui font des sorties, ou encore monsieur, j'ai oublié le nom, qui va faire du populisme tout le temps à l'Assemblée nationale sans action concrète sur le terrain. Je vois des sorties de monsieur Nansima qui vient parler des solutions qu'il faut apporter comme réforme à la CNSS. Tous ces opposants-là, j'ai vu des sorties des leaders de l'Union nationale qui parlent de réformer, des réformes à la CNSS. Le problème du Gabon a un nom. C'est le régime tyrannique Bongo PDG soutenu par l'État terroriste français. Vous ferez tout ce que vous voulez, vous mettrez qui vous voulez, vous mettrez l'homme le plus compétent du monde à la CNSS, il n'y a rien qui marchera. Parce que le mal de la CNSS a une origine. Le régime tyrannique Bongo PDG soutenu par l'État terroriste français. C'est tout. Les maux du Gabon ne prendront fin que lorsque ce régime soutenu par l'Élysée tombera. Tant qu'ils seront là, il n'y a rien qui marchera. Tant qu'ils seront là, il y aura toujours des problèmes à la CNSS, des problèmes à la CNAMGS, des problèmes dans l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur du sport. Partout, il y aura des problèmes. Le mal du Gabon a une origine, le régime tyrannique Bongo PDG, soutenu par l'État terroriste français, aujourd'hui par le Maroc aussi. J'ai vu un frère qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que le Gabon est rentré dans le Commonwealth. Mais I don't care, j'ai rien à foutre. Ça va changer quoi dans la vie des Gabonais? Nous sommes rentrés dans le Commonwealth. Bonjour. Bonjour l'homosexualité. Bonjour la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, ils sont dans une fragilisation de l'homme. On donne plus de pouvoir à la femme, on fragilise l'homme, on féminise la société. Ils sont en train d'arracher à l'homme le pouvoir que lui a donné Dieu. Ils sont en train de, voilà, on voit une montée du féminisme qu'on nous présente comme étant un modèle sociétal qui en réalité est une arme des pédosatanistes qui dirigent ce monde pour fragiliser les hommes. Dieu lui-même a mis l'homme au-dessus de toutes choses. Il a mis l'homme au-dessus de la femme. La femme n'est pas l'égale de l'homme. C'est un mensonge. C'est aller contre les préceptes de Dieu. Ils sont en train de fragiliser l'homme dans la société. Rentrer dans le Commonwealth, c'est bonjour l'homosexualité. C'est bonjour les LGBTQI+. C'est ça. Il nous emmène le diable chez nous. Parce que le démon qui dirige ce monde se trouve en Angleterre. Cette petite femme momie là, de je ne sais pas, sans combien d'années. C'est ce démon qui est au sommet de la pyramide qui dirige le monde. On vous présente la première, on vous présente les États-Unis comme la plus grande puissance mondiale, mais je vous dis la vérité, dans leur monde occulte, dans leur cabale, c'est l'Angleterre qui est au sommet de la pyramide. Donc là, c'est bonjour, là. C'est bonjour le diable au Gabon. C'est bonjour. Entrez dans le Commonwealth. Francophonie, Commonwealth, rien à foutre de tout ça. Ça ne nous apporte rien. Ce que les Gabonais veulent, c'est être souverain, être indépendant véritablement. C'est d'avoir le travail, avoir à manger, nourrir leurs enfants, se soigner, avoir le strict minimum, s'épanouir, jouir des richesses de leur sol. Donc je disais que j'allais vous passer un second extrait du terroriste Bertrand Zibi, qui est devenu un héros pour certains Gabonais aux mémoires funestes. Le 20 décembre 2014, vous me donnez l'occasion très rapidement
avec le ministre Faure et Picard. Libreville devait basculer dans un bain de sang. Je me trouvais en séance à l'Assemblée nationale. Le ministre Faure m'a appelé. Tout à fait, Franco Jean. En comité en comité militaire. Parce que la particularité, je vais vous le signaler, M. Serrano, toutes les réunions auxquelles j'ai assisté avec Omar Bongondiba, tous les chefs de corps étaient là. Donc, nous tutoyons. Toutes les réunions auxquelles dans lesquelles je participais avec Omar Bongo, nous nous tutoyons. Tous les chefs de corps étaient là. Mais qui était Bertrand Zibi pour être dans des réunions avec des hauts gradés de l'armée? Qui était-il? Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement est-ce que Bertrand Zibi était un policier pour tirer sur Mboulou Beka en 2014? Mais il n'était pas un policier, mais qu'est-ce qu'il faisait dans l'hélicoptère? C'est un simple député de Minvoul. Que fait-il au milieu des hauts gradés de l'armée? En réalité, Zibi est un mercenaire. Un mercenaire du pouvoir en place. Il dit bien qu'il a été formé par Ali Bongo, par Amon, par Ngonga Ono. Et vous voulez nous faire oublier ça? Nous devons oublier. Makona Essangui, votre manipulation là, dites-vous dorénavant que vous avez au moins la Vinci devant vous. Au moins la Vinci est l'enfant du pays, la voix des martyrs. Vous me trouvez sur votre chemin, bande de manipulateurs. Donc c'est Bertrand Zibi même qui dit même au ministre de la Défense que nous allons regarder la situation en altitude. Et je vous dis la vérité que quand ils prennent l'hélicoptère, quand les gars là tournent en hélicoptère, quand vous voyez les manifestations populaires, les manifs, les insurrections populaires, lorsqu'ils sont en hélicoptère, c'est pour voir, c'est pour orienter les mercenaires qui sont au sol. Parce que les mercenaires armés sont déjà au sol. Donc l'hélicoptère communique avec ceux qui sont en bas. Pour dire que, voilà, allez-y à tel endroit, frappez à tel endroit. C'est même Zibi qui dit ça au ministre, c'est lui qui fait la proposition. C'est lui qui dit au ministre de la Défense que voilà comment nous devons prononcer. Donc, il était même un général au-dessus des généraux de notre pays. Un terroriste. Souffrez, je sais que vous n'aimez pas ce que je dis, mais souffrez de me mettre des cœurs et des pouces, s'il vous plaît. Souffrez de me mettre des cœurs et des pouces, je vais bientôt partir. Le pays va s'embraser. Bertrand Zibi, quand il dit il y aura un embrasement, le pays va s'embraser. Lui, en fait, c'est le pays, les gars là risquent de nous renverser. Ils vont renverser le régime. C'est ce qui, dans ses expressions-là, c'est ce qu'il appelle chaos, qu'il appelle embrasement. Donc, soulèvement populaire pour renverser le régime, pour Zibi, c'est le chaos. C'est l'embrasement. Et manipulation, il joue avec les mots. J'ai été formé pour que le sang des Gabonais ne puisse pas couler. Ils jouent avec les mots. Manipulation. Ceux qui comprennent le langage corporel savent que Zibi est en train de mentir. Cette vidéo, vous la trouvez en intégralité sur YouTube. Il va s'embraser. Moi, je ne veux pas, j'ai été formé pour que le sang des Gabonais ne coule pas. Nous sommes... Non. Il fait de la psychologie, c'est une sorte de psychologie inversée. Il joue avec les mots. J'ai été formé pour que le sang des Gabonais ne coule pas. Il ment. Il a été formé pour faire couler le sang des Gabonais, pour terroriser les Gabonais. C'est pour ça que leur organisation terroriste appelée CAP a été créée. Pour faire couler le sang des Gabonais, pour terroriser les Gabonais. Vous savez ce qu'ils ont fait en août 2016? Il y en a qui ont certainement vécu ça. Vous avez vécu ça. En août 2016, il y a eu des manifestations au charbonnage dans certains quartiers. Mais il y a des quartiers même où il n'y a pas eu de manifestations.
où les gars sont arrivés, cagoulés, ils ont commencé à taper les gens sans raison. C'était ce que les CAP faisaient dans les années 90. C'est une manière de traumatiser le peuple psychologiquement. J'ai vécu la scène à Baraka où il n'y a eu aucune manifestation. Le 1er septembre 2016, j'ai vécu cette scène. Il est quelle heure? Il est peut-être dans les 10h, 11h. Juste là à Baraka. Les gars sont arrivés, cagoulés dans des voitures, dans des doubles cabines. Ils ont commencé à shooter tous ceux qui étaient dans la rue, sans raison. Les gens n'ont rien fait. C'est ce que faisaient les CAP de Zibi. L'objectif, c'est de traumatiser les populations mentalement. Il faut traumatiser les populations psychologiquement pour qu'il n'y ait pas de révolte. C'est ce que faisaient les CAP. Zibi n'a pas été formé pour que le sang des Gabonais ne coule pas. Il ment. C'est une sorte de psychologie inversée. Il a été formé pour terroriser les Gabonais. Et je vous dis une anecdote, Zibi et moi, on s'est chamaillé hein, le 31 décembre 2016, hein, ou le 28 août. C'était le 28 août 2016. Le 28 août, dimanche 28 août 2016, au lendemain même de la proclamation des élections. Notre soulèvement populaire au Gabon, ça ne devait pas être le 31, ça devait être le 28. Zibi est de ceux qui font en sorte que les Gabonais puissent reculer. Le dimanche, je me souviens très bien, dimanche 28 août 2016, il y a des Gabonais qui se sont fâchés même contre lui au QG. Que pourquoi tu demandes aux jeunes de reculer? Ah, je me suis demandé, mais est-ce que les malins l'ont pas envoyé chez nous pour venir canaliser les Gabonais? Et j'ai suivi son discours. C'est dans cet extrait où lui-même il dit qu'en 2009, il a été mandaté par Amo pour désarmer le cœur des Gabonais. Donc c'est en regardant cette émission que je me suis souvenu de la scène que nous avions eue au charbonnage. J'ai dit, je comprends mieux. Il y a des jeunes qui étaient le dimanche 28 août 2016, avant la proclamation officielle le 31. Il y avait eu une marche, ce jour-là, il y avait même eu la pluie. J'avais fait une vidéo où j'étais en larmes, l'émotion et tout. Ce dimanche-là, c'est Zibi qui fait reculer les jeunes, qui renvoie les jeunes au QG. Les jeunes étaient indéterminés à descendre dans la rue. Quand j'ai regardé ça, la vidéo où il dit qu'il a été mandaté par Amo pour désarmer le cœur des Gabonais, j'ai dit, ah, on dirait que l'affaire des Zibi là en 2016, ça a été une grosse frappe qu'on n'a pas compris. Ça a été une grosse frappe. On dirait que les gars ont préparé déjà leur coup de 2016. Depuis, il y a toute une machination, une organisation qui a été mise en place là pour faire derrière le Zibi le futur leader qui sera, voilà, pour les prochaines élections. Parce que les gars, ils nous fabriquent les opposants à la veille des années à l'avance. On nous a fabriqué Ping en 2014. Ah, on nous l'a fabriqué paf paf juste après le décès de Dali. Et je me suis dit, tiens, est-ce que les gars là ne nous ont pas fabriqué le gars Zibi là depuis le QG là, parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas que ce soit à cause de sa démission à Bolosoville, parce qu'il n'est pas le seul, il n'est pas le seul pédagiste qui avait démissionné. Il y a eu les Chambriers et tous les autres, tout ça là, mais bon. Regardez la froideur avec laquelle il le dit. La froideur. Nous ne savions même pas qu'il avait déjà eu un mort. Un menteur, il sait. Parce que c'est eux qui ont tiré. C'est lui qui a donné l'autorisation de tirer. Il le dit en fait sans véritable regret. Paf, nous ne savions pas qu'il a eu un mort. Paf, il passe à autre chose. Il est passé à autre chose. Allez, cette partie-là, il ne faut pas trop qu'on en parle. Il ment qu'il ne savait pas qu'il y a eu un mort. Il savait. Il savait. C'est après frapper qu'ils sont venus pour vérifier qu'il y a vraiment un mort.
appelé. La rue m'a entendu. En tant que leader de la rue. Tu n'as jamais été leader de la rue. Bertrand Sylvie Abegué n'a jamais été leader de la rue au Gabon. Il est leader des voyous financés par le pouvoir pour semer le chaos. Bertrand Sylvie n'a jamais été le leader de personne au Gabon. Quand on parle de leader de la jeunesse ou leader de la société civile, on a entendu des noms comme Grégory Nguaminsa. On n'a jamais entendu Bertrand Sylvie. Il n'a jamais été un leader de la rue. On a notre grand frère, même Curtis et Sam Kouas, le rappeur. Voici des leaders, des jeunes Gabonais, des leaders que nous connaissons. Pierre Mambounou encore était leader de la rue. Parce que quand il disait aux Gabonais, venez à Rio, s'il nous dit demain à Rio à 8h, même si tu es à Kango, à 8h tu es à Rio. Zibi n'a jamais été un leader de la jeunesse. C'est un leader des jeunes voyous payés pour infiltrer les manifestations populaires, pour semer le chaos. Zibi n'a jamais été un leader. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont découvert Zibi, même là, après sa démission en juin 2016. Il n'a jamais été un leader des jeunes Gabonais. Leader des jeunes Gabonais de la rue, des voyous. Des voyous d'Opianga. La bande à Opianga, la bande à Ernest Mpo, Angoulakia. Il n'a jamais été un leader des jeunes Gabonais. Je ne me suis jamais reconnu en Bertrand Sylvie. Et quand il dit qu'il a demandé à la rue et aux leaders de se séparer, c'est parce que les gars, c'est un menteur. Il vient dire non, j'ai demandé aux gens de se séparer parce qu'ils sont trop collés. Qu'est-ce que ça, ils voient trop collés? C'est parce que les gars prévoyaient de balancer des rafales. Donc, du coup, quand ils comptaient balancer des rafales, leur objectif, c'était peut-être d'abattre peut-être 5 ou 10 personnes pour faire peur aux autres. Mais tellement les gens étaient serrés, ils avaient peur de faire plus de victimes. Peut-être qu'ils allaient peut-être tuer peut-être 100 personnes. Voilà pourquoi ils voulaient que les gens se séparent. Comme ça, ils vont tuer, voilà. Ils vont abattre, ils vont ramasser les corps comme ils font d'habitude, ils vont les jeter. Et qui sait même, peut-être que ce jour-là, à part Mouloubeka, il y a peut-être eu 2 personnes décédées et puis ils ont ramassé les corps comme d'habitude et ils ont les balancés. Parce qu'au Gabon, il y a beaucoup de Gabonais qui sont massacrés dans des manifestations populaires. On ramasse leur corps et puis ils en mettent. J'ai vu ça en 2016, devant l'ambassade de Russie. J'ai vu. Les gars sont venus avec des cagoules et comme d'habitude, il y avait l'hélicoptère. Dans l'hélicoptère, il y avait le terroriste, comment il s'appelle, Osibadjo, qui est aussi adulé par les Gabonais sur les réseaux sociaux. Vous voyez, les Gabonais, ils adulent, hein, les assassins sur les réseaux sociaux. Ils savent que ce sont des criminels, ils vont sur leur compte, ils sont contents. Voilà. Ce gars aussi, Bajo, il est en hélicoptère devant l'ambassade de Russie. Il donne le feu vert. Les gars sont descendus, déchaînés comme des chiens enragés. Ils ont commencé à tirer. Il n'y a pas eu des morts au QG. Donc quand on dit aux gens qu'il y a eu une cinquantaine de morts, une centaine de morts, ils disent on exagère. Là, devant l'ambassade de Russie, les gars ont tué des gens. Ils ont ramassé, ils ont mis dans leur pick-up, ils ont bougé avec eux. Moi-même, j'ai failli prendre une balle à Cocotier, là, en prenant les pivots, en fouillant. Et ça, c'est le travail que Zibi a fait pendant des années, à chaque élection. Quand les Gabonais manifestaient, il était parmi ces terroristes qui tiraient sur le peuple. Mais on ne doit rien dire. On doit fermer la bouche, ne pas parler. Sinon, on sera traité de tribaliste. Vous faites tout ça avec qui? Vous manipulez les intelligences, vous manipulez les gens. Ça ne marche pas avec moi. Zibi, c'est un terroriste. Et je vais dénoncer. Que ça vous plaise ou non. Vous ne me commandez pas. Ah, c'est Monsieur Mengara avec qui je serai en live demain, ce dimanche 26 juin 2022, je serai sur la page du BDP du docteur Mengara. Donc n'oubliez pas, la famille, le live de demain, là, il doit avoir plus de 1000 partages. Moi, je veux dire sur le docteur Mengara, quand on commence le direct, moi, je vais me charger d'effectuer mes partages.
Je vais envoyer à mes soldats sur WhatsApp. Au moins à 250 personnes sur WhatsApp. Je vais partager sur mon compte Instagram, sur Twitter, sur mon TikTok, sur... comment on appelle ça? Snapchat, partout. Je vais partager partout. Sur toutes mes pages, je vais partager le live. Mon compte personnel en story et autres, je vais partager partout. Nous devons être minimum à 1000 partages sur ce live de demain. Vous m'avez parlé sur la page du BDP. Si moi, je me fais les choses de la honte, tu vas aller payer la base. 50 personnes connectées ou quoi? Il doit avoir plus de 1000 partages sur le live. Parce que beaucoup de vérités vont être dites. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la désaliénation, de la dézombification, de la démoutonisation, de la défanatisation a sonné. Nous devons maintenant soutenir des hommes intègres, des hommes qui feront de la politique pour servir le peuple, pour servir le pays et non pour se servir du peuple et du pays. Nous ne devons plus soutenir ces menteurs francs-maçons comme les barons chambriers, les MacJoctan et autres qui viennent faire du populisme à la veille de chaque élection, qui viennent manipuler le peuple. Nous voulons des hommes politiques qui vont se mouiller pour le peuple, qui seront là pour dénoncer à chaque fois qu'il y aura des injustices, à chaque fois que le pouvoir exécutif manipulera le pouvoir judiciaire. Nous voudrons des hommes politiques qui seront là pour dénoncer la cherté de la vie, qui viendront dénoncer à chaque fois qu'il y aura des crimes humains et financiers, des hommes politiques qui seront proches des populations. Lorsqu'il y a incendie, lorsqu'il y a inondation quelque part, on a besoin d'avoir nos leaders politiques qui sont là proches des populations. C'est de ces hommes-là dont nous avons besoin, pas des hommes qui viendront faire semblant d'aimer les Gabonais à la veille des élections. Nous ne voulons plus de ça. Demain, nous allons en parler sur la page du BDP. Je vous invite à venir nombreux. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, abonnez-vous sur la page, c'est la page de la vérité. Sinon, j'ai mon compte personnel, mon nom c'est Omar Damiché, l'enfant du pays. Vous tapez sur Facebook, vous trouverez mon compte personnel où je fais mes publications au quotidien. Mais cette page est exclusivement réservée pour mes lives. Vu que j'ai dépensé beaucoup d'énergie depuis des années et que j'ai décidé de sacraliser ma parole, de ne prendre parole que de prendre la parole que quand c'est important. Je ne fais plus de live comme avant, tous les jours. Il viendra certainement une période où il faudra faire des lives tous les jours hein, pour communiquer avec les Gabonais, parce qu'on a des échéances électorales à venir. Même si je ne suis pas pour les élections, mais je ne me tairai pas quand viendront les élections. Il faudra parler. Il faudra organiser les Gabonais parce qu'il y aura des actions sur le terrain, des actions que nous allons mener sur le terrain. Et à cette période-là, quand les élections approcheront, les Gabonais seront très réceptifs, suivront beaucoup les activistes et il faudra que les vrais activistes soient là. On ne va pas laisser le monopole de la parole à des activistes commerçants au service de l'État terroriste français et des bongos. Il faudra que les vrais enfants du Gabon soient là pour parler, pour orienter les jeunes sur des actions à mener, pour mettre en place l'ingouvernabilité totale que Jean Ping nous a proposée, sans pour autant mettre les moyens pour que nous puissions véritablement y arriver. Donc voilà la famille. Il y a un jeune qui me dit ici, tu nous parles de politique, pourquoi? Tu penses que ton direct va changer quoi là-bas au bled? Bon, je sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi répondre à ce zombie. J'ai pas l'habitude de ce genre de. J'ai pas l'habitude de ce genre de débat. Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver sur ce direct. Le jeune dit pourquoi je lui parle de politique. Eh ouais. Voilà ce qu'ils ont fait de nous. Nous avons été formatés de manière à ne nous intéresser qu'aux sujets qui tournent autour des futilités. Lorsqu'on parle de politique, un jeune Gabonais, il est perdu. Le jeune dit, pourquoi tu nous parles de politique? Ça va changer quoi? Le jeune, il n'est pas conscient que c'est la politique qui dirige son pays. Il ne le sait pas.
Vous voyez des jeunes Gabonais qui ont plus de 30 ans, 40 ans, des pères de famille, quand vous leur parlez de politique, ils s'ennuient. Ils ont envie de parler d'alcool, de drogue, de sexe. Voilà. C'est des sujets comme ça qui les intéressent. Voilà pourquoi quand j'étais au Bénin, un jour, je suis à Djonké, c'est un quartier populaire du Bénin. Je suis juste en bordure de route comme ça. Et puis, je vois des jeunes enfants qui sortent de l'école, des petits Béninois du CP1, CP2, CM2, qui sont en train de parler de politique. Je les vois parler de Talon, d'Adjavon, de... Mais je suis émerveillé, je suis sous le charme. Je dis, mon Dieu, des gamins qui sont à peine aux primaires qui sont en train de parler de politique. Et puis là, tu as un vieux papa qui a les poils aux fesses qui vient sur mon live pour me dire pourquoi je lui parle de politique. Et c'est ça le Gabon. Voilà pourquoi je dis à des jeunes Gabonais qui ont 18, 20, 21, 22 ans que je suis en admiration quand je les vois s'intéresser à la vie politique du pays. Tellement c'est rare. Quand je vois un jeune Gabonais de 20 ans qui s'intéresse à la politique, ou je vois comme mon fils Johan, mon petit Jesse et autres, des jeunes, je pense tout de suite au Gabon de demain, je dis ces jeunes-là, c'est des futurs leaders de notre pays. Tellement c'est rare. Ils ne veulent pas entendre parler de politique. Mais ils se plaignent des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de crime rituel, des problèmes de bourse, des problèmes de pension, des problèmes de chômage. Mais qui est responsable de tous ces maux? Ce sont ceux qui dirigent la politique. Si nous nous retrouvons avec les mêmes familles à la tête de notre pays depuis nos pseudo-indépendances, c'est parce que les Gabonais qui subissent la politique se désintéressent totalement de la politique. Ils veulent seulement parler de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de football, de basket, de sex tape. Nous avons un grand boulot qui nous attend dans le Gabon nouveau. Un grand boulot. Ils ne veulent pas entendre parler de politique. Mais ils subissent la politique tous les jours, au quotidien. Ils se disent apolitiques. Mais lorsqu'ils sont victimes d'une injustice, comme cette famille qui a été abusivement jetée dans la rue par des Libanais, lorsqu'ils subissent de telles injustices, ils se souviennent qu'il existe des activistes. Au quotidien, ils sont apolitiques jusqu'au jour où le malheur frappe à leur porte. Un apolitique, c'est un zombie. Un apolitique, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être appelé être humain. C'est un sous-homme. Il faut sortir de la matrice, disais-je au début de mon live. Sortez de la matrice. La société dans laquelle nous vivons nous a formatés de manière à ce que nous ne puissions nous intéresser qu'aux futilités. Il y a deux publications sur notre fil d'actualité. Une qui parle des mots qui minent notre pays. Une autre qui parle de fesses, de sex tape, de clash, de buzz. Les gens vont s'intéresser à celle qui parle des trucs non essentiels, des futilités. Ils mettront de côté la publication qui parle de leur bien-être, qui parle d'un sujet qui les concerne directement. Ils nous ont programmés, ils nous ont mis des chaînes, attachés, ils nous ont attachés mentalement. Nous sommes prisonniers, prisonniers. Nous ne nous intéressons maintenant qu'aux futilités. Ceux qui éveillent les consciences sont des ennemis de ceux qui dirigent la société. Il faut sortir de la matrice dans laquelle nous avons été enfermés et emprisonnés. Sortons de cette matrice. Refusons d'être des esclaves mentaux. Refusons d'être ce qu'ils veulent que nous soyons. Ils veulent que nous soyons des esclaves mentaux qui ne s'intéressent qu'aux futilités. Disons non. Ils veulent que nous ne puissions parler que de football. Ils veulent ça, que nous puissions parler de qui est plus bon entre Messi et Cristiano, le Barça et le Real. Et voilà, ils veulent qu'on soit là en train de parler seulement de ça. Pendant ce temps, un bongo succède à un autre bongo. Un ping succède à un autre ping. Un oyemba succède à un oyemba. Un kuna succède à un kuna. Les mêmes familles dirigent le pays, se partagent le pays. Il faut sortir de cette matrice.
Et c'est pareil partout. Vous verrez Donald Trump, la fille de Donald Trump, Clinton, Hillary Clinton, leurs enfants. Partout, c'est partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, son enfant. Partout, partout dans le monde, vous verrez, vous constaterez que dans de nombreux pays, ce sont les mêmes familles qui dirigent. Les mêmes familles qui dirigent. Quand les gens d'en bas qui subissent la politique des gens d'en haut sont là en train de s'enivrer, passent leur temps dans l'alcool, dans la drogue, dans les sujets inutiles, les enfants de ceux qui ont gouverné viennent gouverner. Jeune homme qui ne veut pas entendre parler de politique. Si tu ne t'intéresses pas à la politique, si tu ne fais pas la politique, elle n'hésitera pas à te faire, elle n'hésitera pas à te détruire. Nous, jeunes Gabonais, nous devons nous intéresser de plus en plus à la politique. Je l'ai dit déjà dans plusieurs de mes lives, je crois, que nos anciens leaders indépendantistes comme Lumumba, Sankara, tous ces grands combattants africains, Steve Biko, Winnie Mandela, tous ces grands combattants africains, Julius Nyerere, tous ces grands combattants africains ont commencé à combattre, ils avaient 18 ans, 17 ans, 19 ans, 16 ans pour certains. C'était déjà des combattants. Ils n'ont pas attendu 30 ans, 40 ans pour devenir des combattants. Les Oumyobé et autres. Boganda, Barthélémy, André Machua du Congo-Brazzaville, tous ces combattants n'ont pas attendu 40 ans. Ils avaient à peine 20 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais les Occidentaux, ces ennemis de l'Afrique, ont mis en place un système de zombification, d'aliénation, d'infantilisation. Ils ont changé les programmes scolaires et ils ont fait aujourd'hui de nous des hommes qui n'ont Dieu que pour l'argent, des hommes cupides, corrompus, des éternels enfants. Nous sommes des éternels enfants aujourd'hui. On croit toujours que nous sommes jeunes même lorsqu'on a 40 ans. Vous voyez des papas africains qui dorment sur les pages des enfants de 15 ans sur TikTok qui s'intéressent au sujet des adolescents. Pendant que d'autres sont en train de se battre pour leur liberté, pour leur souveraineté, nous sommes toujours dans des futilités, des sujets inutiles. Ils nous ont totalement infantilisés. Nous devons sortir de la matrice. Merci la famille d'avoir suivi ce direct, ça m'a fait un grand bien de parler avec vous en vérité. L'exil c'est très difficile, la solitude l'est encore plus. Mais je souffre de ne plus faire beaucoup de lives comme avant, hein. C'est vrai que moi-même j'en souffre. Mais bon, un homme doit parler seulement quand c'est nécessaire. Quand t'as rien à dire, on regarde. Le combat continue, la famille. Le combat continue. C'est dur, mais nous vaincrons. Et vous devez accepter certaines vérités. Vous devez arrêter de fanatiser certains hommes politiques, surtout ceux qui sont responsables de la destruction de notre pays. Et pensons à l'Organisation pour la libération de notre pays. Nous devons mettre en place une grande ville morte, une grande paralysie de tous les secteurs d'activité. Que Dieu fasse en sorte que je puisse me retrouver avec certains frères pour qu'on puisse bien organiser ce combat. Il faut qu'on soit quelque part, à 3 ou à 4 dans le même pays, parce que certaines choses ne peuvent se faire au téléphone. Il faut qu'on se retrouve, qu'on puisse bien organiser les choses, même à distance. Ce jour viendra. Parce que si Dieu m'a éloigné de certaines personnes, c'était pour que je ne puisse pas mourir. Il a un plan pour moi. Si j'aurais été en contact avec certains démons de cette résistance, je serais mort depuis. Croyez-moi, je suis la bête à battre aujourd'hui. Dieu n'a pas voulu que je sois à côté de certaines personnes. Mais il faut que je sois avec certains frères
vrais frères, des combattants que vous ne connaissez pas, mais croyez-moi, qui sont de très grands combattants. Je pense à mon grand frère Mag, je ne vais pas dire le nom, c'est un grand combattant. À mon frère Jay du côté de l'Allemagne, monsieur Maïga, la machine. Il faut qu'on se retrouve quelque part, qu'on organise des actions fortes pour amener notre peuple à sa libération. Bon, quelqu'un qui m'a dit qu'on n'est pas un peuple, mais j'affectionne beaucoup cette expression. Depuis l'extérieur, nous pouvons organiser les choses pour que notre pays se libère. C'est possible. Et notre objectif n'est pas d'appeler à l'insurrection populaire. Par contre, c'est la vision de M. Mengara. Mais bon, chacun a sa vision. Je respecte la sienne. Moi, je me dis qu'il est possible aujourd'hui qu'on puisse libérer notre pays en procédant à la paralysie de tous les secteurs d'activité. J'ai la ferme conviction qu'on peut y arriver. Maintenant, il faut trouver le moyen de pouvoir... Il faut qu'on soit nombreux pour que nous puissions atteindre cet objectif, celui d'emmener les Gabonais à paralyser tous les secteurs d'activité. Comme nous ne sommes pas nombreux à réellement vouloir que ce pays se libère, depuis là, ça n'avance pas. On a lancé une ville morte qu'ils ont tout fait pour faire capoter. Parce qu'on a des voyous aujourd'hui au sein de la résistance. Des voyous au service de la France et des bons. Mais quand je regarde aujourd'hui la situation socio-économique du Gabon, je me dis que les Gabonais n'auront pas besoin d'un mot d'ordre pour se lever dans bientôt. Ce pays va bouger. Les Gabonais auront faim, ils auront soif et ce pays va bouger. Ce sera avant août 2023. Il y a quelque chose qui va se passer dans notre pays. Peut-être avant la fin de cette année. Je crois l'avoir déjà dit dans mon live, tellement j'ai dit beaucoup de choses. Ce pays est en train de... Quelque chose va se passer. Le Gabon assis sur une poudrière. Peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent, il y a quelque chose qui va se passer au Gabon. Ce pays va bouger. Il va bouger la famille. Soyez prêts. Et je vous ai dit ça déjà depuis plus d'un an. Soyez prêts. À n'importe quel moment, notre pays va bouger. Bon, les bouffons, là, vous pouvez continuer à mettre des têtes des morts. Moi, je suis parti. Hein. Ah, ces bouffons qui me bloquent avec leurs vrais comptes, mais qui me suivent avec leurs avatars. Quelle triste vie. Pitié, hein. Regardez, allez regarder, vous allez voir sur la page de Noureddine ou la page des activistes, des faux activistes là qui viennent avec les bongoïstes là, les activistes financés par l'Elysée et par les bongos qui viennent avec leurs faux comptes pour venir mettre des têtes de mort. Et je suis parti, c'est bon. À ceux qui viendront regarder en différé, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas aussi de mettre des cœurs et des pouces quand vous viendrez. Ça a été un plaisir de passer un moment avec vous, la famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous aime de tout mon cœur. C'était Omona Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crient vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Merci Ariel. Ensemble, la famille, je vous aime de tout mon cœur.